Pourquoi c'est comme ça Ah oui. Et alors, euh, chers collègues, euh, bonsoir, euh, chers amis du Cercle Sémiotique de Turquie, chers auditeurs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au réseau social YouTube de Turquie Comme vous le savez, euh, du moins les Turcs le savent. Les euh, Chaque samedi soir, euh, euh, le Cercle Sémiotique de Turquie organise une activité scientifique. Ce serait en turc, en français ou bien en anglais. Ce soir, nous accueillerons Monsieur Denis Bertrand. Il est un sémioticien célèbre, très connu, de l'Université Paris 8 et Saint-Denis. Tout le monde sait qu'il est l'un des Successeur de Greymas, et normalement il se place dans l'école sémiotique de Paris. Disons qu'il est un théoricien de cette discipline. Soyez le bienvenu, monsieur Denis Bertrand. Merci et, beaucoup. Et ce soir, nous sommes avec un sémioticien qui produit toujours. Vous pouvez visiter la page de son blog. Il écrit des livres il fait des projets importants. Par exemple, en ce qui concerne l'église de, de Notre-Dame, il a préparé un projet pour le gouvernement français. Je crois que c'est pour le gouvernement français, n'est-ce pas Ou euh, pour Oui, c'est pour, pour, pour la ville de Paris. La ville de Paris. Pour la ville la de ville Paris. De Paris. Ah, excusez-moi, c'est tellement faute. Je, pré je là, préciserai, il... si on a le temps, je préciserai oui, ça. Oui, là, il utilise largement de la sémitique de l'urbanisme dans ce projet. Je crois qu'il parlerait ce soir de ce projet. Ce soir, M. Bertrand nous expliquera à quoi sert la sémiotique. Il nous donnera un per, une perspective à vol d'oiseaux à propos de la sémiotique. En turc, il y a une expression, Nerdengelep gidiyorsun. d'où viens-tu et où vois-tu Nous pouvons l'adapter pour la sémiotique, d'où vient cette science et où va-t-elle où, où Hier, euh, qu'est-ce qu'elle faisait Avait-elle préparé une théorie acceptable par tout le monde Et aujourd'hui, à quoi bon cette science Peut-on gagner de l'argent en apprenant, en utilisant cette science La sémiotique, est-elle seulement un domaine de recherche académique Ou bien on peut gagner la vie en profitant, en utilisant cette science Et demain faut-il une telle démarche pour le futur? Pour l'avenir, nous parlerons des crises climatiques, sanitaires ou bien des crises politiques. Mais pourra-t-on parler d'une crise de communication pour le futur, pour l'avenir? Aujourd'hui, la société s'occupe des fausses nouvelles, fake news. Je me demande de temps en temps si la sémiotique trouvera une solution agréable, raisonnable. Pour que la société mène une vie tranquille. Avant de donner la parole à M. Denis Bertrand, je voudrais savoir si Mme Songuilassan Karakul veut ajouter quelque chose. Madame? Merci, c'est très gentil. Euh, bonjour à tous et bonjour, bonsoir à toutes. Euh, bienvenue, M. Denis Bertrand. Euh, Merci. Voilà, à notre émission dans laquelle nous accueillons. Euh, monsieur le professeur Denis Bertrand, je vous dis bienvenue encore une fois à ma part. Pour le moment, nous vous invitons au réseau social, malheureusement, mais euh, peut-être un jour, euh, un beau jour, nous voulons vous voir en Turquie en présence. Pourquoi pas? Monsieur Bertrand, nous nous sommes rencontrés quelques fois euh, en France pendant le colloque de... Association française de sémiotique, n'est-ce pas, ou sur Internet, quelquefois. Nous avons toujours vu votre soutien et votre amitié. Euh, merci beaucoup pour cela. Je sais très bien que vous êtes toujours occupé, mais par exemple, il y a trois jours, vous étiez en Espagne. Vous avez quand même accepté avec, votre, euh, avec gentillesse notre proposition, et maintenant, vous êtes avec nous et nous impatientons de vous écouter. En Turquie, les sémioticiens francophones connaissent très bien votre livre intitulé Précis de sémiotique littéraire. Euh, on suit toujours dans nos cours. Merci pour cet euh, précieux ouvrage. Et avec cela, euh, je veux parler de quelques publications. Euh, par exemple, euh, vous avez Régime sémiotique de la temporalité, La flèche brisée du temps. Euh, C'est édité par euh, Paris à, à l'édition de PUF, Forme sémiotique, euh, avec euh, la direction euh, de Jacques Fontani, La transversalité du sens, Parcours sémiotique, Saint-Denis, voilà, 2007, euh, avec la direction de M. Euh, Con, euh, Constantini et d'Ambrine et Alonso. Parler pour gagner, sémiotique des discours de la campagne présidentielle 2007. Et euh, vous avez une. C'est une édition euh, parue par euh, presse de la Fondation nationale des sciences politiques, Nouveau Débat, en 2007. Nous nous profitons aussi de votre dictionnaire que vous avez préparé ce, sur votre en bloc. Par cette occasion, j'aimerais bien vous remercier encore une fois de nous permettre de traduire votre euh, contenu de votre en bloc. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, voilà. Oui, 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 je me souviens. Merci. <laughs> Merci infiniment. Voilà, nous vous avons invité pour nous donner une vision assez large. Par exemple, nous avons 60 euh, jeunes chercheurs. Ils veulent savoir d'où vient la sémiotique, et les, euh, où aujourd'hui, et la sémiotique sera où demain. Et maintenant, je vous passe euh, la parole. Euh, on vous écoute, monsieur. Allez-y. Merci beaucoup. Vous m'entendez Oui, oui, oui. Ça va Bon. Le son est bon. Écoutez, euh, merci beaucoup euh, et bonsoir à toutes et à tous. Euh, je ne sais combien de personnes nous sommes en ce moment réunis. C'est le mystère des euh, des communications à distance. Euh, C'est aussi leur, sans doute leur richesse. Je vous remercie beaucoup de cette invitation et de cette occasion que vous me donnez de euh, parler de sémiotique avec vous. Euh, vous avez souhaité que nous ayons un parcours assez large sur la sémiotique contemporaine. Euh, J'ai donc choisi comme titre La sémiotique, quelle prise sur le monde, hier, aujourd'hui et demain, ce qui est extrêmement ambitieux, euh, euh, parce que ça supposerait que, et c'est la première interrogation sémiotique, que l'on sache ce que veulent dire les mots de cette question. Non seulement le mot sémiotique, mais également le mot prise, quelle prise, et également le mot monde, quel monde. S'agit-il du monde euh, euh, au sens planétaire du terme S'agit-il du monde euh, au sens politique du terme S'agit-il du monde de la communication S'agit-il du monde, des disciplines théoriques en sciences humaines et en sciences sociales Bref, euh, tout cela mériterait d'être dit. Quant euh, au sous-titre que j'ai osé donner hier, aujourd'hui et demain, c'est évidemment euh, très très ambitieux, pour ne pas dire prétentieux. Donc je vais essayer de répondre modestement à ce titre. Je vous invite à passer euh, à la deuxième diapositive. Hey. Le plan qui est, qui est euh, programme. Alors je, je vous propose une réflexion euh, en cinq moments, mais le premier et le cinquième seront très courts. Euh, le premier, il s'agira pour ceux, celles parmi vous qui ont euh, peut-être des connaissances. Euh, incertaines ou anciennes ou, ou qui ne connaissent pas bien cette discipline qu'est la sémiotique, il s'agira de la définir. Ensuite, le deuxième point, je vais vous proposer une réflexion sur la notion de prise. Qu'est-ce que veut dire prise en français J'espère que, que nous avons l'équivalent en turc, mais la prise entre la surprise et l'emprise. C'est les deux pôles que je voudrais développer un petit peu pour prolonger la définition de la sémiotique. Une fois ces deux parties introductives présentées, les trois parties suivantes correspondent au plan annoncé dans le titre. La prise hier, et je parlerai des études sémiotiques, au sens où Jean-Marie Floch, notre ami, est malheureusement <coughs> disparu prématurément, pratiquait les études sémiotiques. Justement, je vais en dire quelques mots des boîtes noires à l'intérieur des objets d'études. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les boîtes noires C'est-à-dire des questions qui ne sont pas résolues, des questions ou même qui n'ont pas été posées. Et je donnerai un exemple avec une étude que j'ai faite il y a 20 ans sur le logo de l'État français qui est toujours actuel aujourd'hui. Donc c'est tout à fait intéressant de la prise sur la société. Euh, la prise au 8, <coughs> point suivant, que j'ai intitulé « À la croisée des disciplines », au fond, il s'agira de montrer comment euh, la sémiotique aujourd'hui peut dialoguer et dans quelles conditions avec d'autres disciplines des sciences humaines et sociales Quel apport elle peut avoir Quelle forme de dialogue elle peut développer Et je donnerai un exemple que M. Dohan a évoqué tout à l'heure, euh, qui est celui euh, des, des abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont vous savez qu'elle a été détruite par un incendie dramatique euh, il y a deux ans. Et qu'elle est en reconstruction actuellement. Et au fond, ce sera une manière de, de faire dialoguer la sémiotique comme discipline et l'urbanisme comme discipline. Et enfin, pour conclure, mais ce sera vraiment une conclusion plutôt une ouverture à la discussion, la prise demain et demain, euh, ce demain qui est imminent, et, et je l'ai intitulé face aux crises. Euh, au fond, la crise climatique, la crise pandémique, la crise, les crises politiques, euh, les, les, les inquiétudes planétaires euh, aujourd'hui, quel retentissement euh, ces, ces, ces événements que nous vivons tous, je dirais probablement même de la même mani manière, quel retentissement sur les disciplines qui ont pour ambition de mieux comprendre. Ce qui se passe. Donc euh, voilà, voilà le programme. Est-ce que vous voulez re, re, reprendre peut-être en turc en traduction Oui, vous permettez-moi. Euh, je vais parler avec quelques mots le contenu de votre communication, votre présentation. Burada Bertrand programında programme konuşmada öncelikle kısaca Daha sonra işte farkına varma, kavrama gibi kavramları ele alacak. Burada işte bazı kavramlar işte önümüzde göstergeleri, anlamı görürken önümüzde belki bir sis perdesi var. Belki gerçeği şöyle yakından geçmiş bir istiyorsanız onun kavramıyla gerçeğin bir ısırığı söz konusu. Anlam nasıl kavranır? Bunu sorgulayacak ikinci bölümde, üçüncü bölümde. Ee, dün gösterge bilim alanında yapılan çalışmalardan kısaca söz edecek. Burada Jean-Marie Floch'un kara kutularından söz edecek. İşte Fransız devletinin e, de kullanılan logoların gösterge bilimsel olarak çözümlenmesini yapacak. Bunlar işte dünle ilgili olarak. Bugünkü şeylerde gösterge bilimin e, bilim yeni alanlarda nerelerde kullanılacağı ile ilgili farklı disiplinleri ortaya koyacak. İşte gösterebilim ve kentleşme işte Notre Dame bu bağlamda ele alacak. Notre Dame de Paris kilisesinin çözümlemesini bu bağlamda ele alacak. En sonunda da sonuç olarak işte dünyadaki değişik krizlerden sonra işte göstergebilimin bu krizlerde nerede işte ve eee bir eee işe yarayacağını sorgulayacak. Bu pipe continuiamısı요. Merci beaucoup. Donc vous on peut passer à la diapositive suivante. Définir la sémiotique. Alors <laughs> Quand... Je vais essayer d'être aussi... aussi clair et court que possible, parce que cette définition pourrait à elle-même occuper plusieurs heures, euh, et si on voulait euh, faire la distinction entre la sémantique, la sémiotique, la sémiologie, bref, bon, entrer dans l'histoire conceptuelle des disciplines. Non, je voudrais euh, poser les choses de la manière la plus claire et la plus simple possible. Euh, je dirais que la sémiotique, c'est l'étude de la signification. Euh, la, la sémiotique a pour objet l'étude de la signification, mais, mais pas seulement de la signification abstraitement, de la signification en acte, telle qu'elle est produite par des sujets euh, qui échangent. Et qui euh, décrivent le monde, interviennent sur le monde. Et donc, c'est la signification en acte euh, qui nous intéresse. Et deux termes euh, se présentent alors à nos yeux en français, euh, qui est d'un côté le mot sens et de l'autre côté le mot signification. Alors, c'est intéressant de distinguer ces deux mots parce qu'au fond, le sens, c'est ce qui nous environne, c'est ce qui fait que le monde autour de nous, lorsque nous, nous, comme nous y sommes plongés chaque jour, signifie par nos sens, par nos expériences sensorielles et par nos expériences sensibles, et surtout, je dirais parallèlement, par le partage euh, au sein de notre communauté euh, linguistique, mais aussi grâce à la traduction au sein des différentes communautés linguistiques, par le partage de nos expériences sensibles. Donc, donc le sens, c'est l'expérience vivante du monde, je dirais là où, où la, la, la sémiotique rejoint la phénoménologie. Mais la sémiotique étudie plus spécifiquement, au sein de cet univers du sens, les processus de signification. Qu'est-ce que cela veut dire La signification, je donnerai une définition extrêmement simple, ce sont les structures signifiantes qui modèlent nos discours et qui nous permettent de nous comprendre. Nos discours individuels et nos discours collectifs. Évidemment, les discours appris, les discours que nous récitons, ce sont toutes les structures sous-jacentes, ordonnatrices de nos discours qui nous permettent de nous comprendre. Et enfin, cette signification, euh, euh, nous, 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 je dis nous, parce que la plupart des sémioticiens aujourd'hui comprennent la signification en acte, pas seulement les structures abstraites qui organisent la langue, par exemple, mais, mais surtout les événements de sens produits par la mise en œuvre de la signification, c'est-à-dire la Manière dont on peut influencer, dont on peut manipuler, dont on peut être manipulé, dont on peut résister, dont on peut aimer, détester, apprécier, euh, bref, tout ce qui fait que nous vivons la signification en continue toute la journée, et parfois toute la nuit, envers la mise en œuvre de la signification par la parole par le geste, par la peinture, par le cinéma, par euh, toutes les formes d'expression, c'est-à-dire toutes les formes d'énonciation. Est-ce que le modérateur euh, peut demander quelque chose? Moi, ah mais avec plaisir, bien sûr. <laughs> euh, la signification, d'ailleurs, garde en acte, c'est-à-dire on utilise un sens euh, en acte. Dans ce cas, on peut parler de la signification. Alors le sens n'est pas euh, besoin de nac il, il se trouve dans le dictionnaire la signification on prend tel ou tel sens dans mon discours dans mon énoncé n'est-ce pas alors ça. Signification... on, peut, on, peut, on peut, je, je crois qu'on peut, on peut le dire oui on peut le dire oui tout à fait merci merci alors est-ce que, est que vous voulez euh, juste euh, traduire, le, traduire le, le tableau le avec quelques oui, mots ok oui. Burada, M. Bertrand, e burada bu Sübertran de anlamlama çalışmasının e, anlam ve anlamlama üzerine olduğunu söylüyor. Anlam e, duyularımızla ve duysal deneyimlerimizin paylaşımıyla anlam ifade eden dünya iken anlamlama söylemlerimizi modelleyen anlamlayıcı yapılardan oluşuyor diyor ve ayrıca e, anlamlamada e, sadece soyut yapıları değil e, edim halindeki eee jestlerimiz, mimiklerimiz, e, bir onaylamamız ya da kınamamız, bütün bu eylemlerimizi e, yaparken e, bunların anlamlandırılması söz konusu, anlamlandırma. Yani Evet. Geçebiliriz. Oui. Next slide. Merci beaucoup. Oui. Ça va ça vous paraît clair? Oui. Oui, c'est bien. C'est très clair. Bon, alors je continue. En, en 2017, nous avons organisé un grand congrès, le congrès de l'Association française de sémiotique, pour célébrer le centenaire de la naissance de Grémas, qui est euh, le grand-père fondateur de notre discipline, qui, comme vous le savez, a commencé à exercer, à développer ses recherches sémantiques et sémiotiques en Turquie. À Ankara et à Istanbul. Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dessus, mais je dirais qu'il y a une 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 genèse pour nous en France de la sémiotique qui passe par l'expérience turque de Grémas, dont il nous a souvent parlé, nous qui l'avons connu. Alors lors de ce congrès, j'étais moi-même président de l'Association française de sémiotique, et j'avais fait pour tous les congressistes un petit tableau que je vous présente ici, qui, 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 qui présente un peu la, la, jeune, la filiation sémiotique et les grands modèles grématiens. La filiation sémiotique, c'est tout d'abord, vous le voyez avec l'image, le, le, le carré central gris clair, la sémiotique euh, incarnée par des auteurs en France, comme Roland Barthes, euh, Algirdas Julien Grémas, ou en Italie, comme Umberto Eco et Paolo Fabri, mais beaucoup d'autres, euh, bien sûr d'autres chercheurs importants, la sémiotique se trouve à la croisée de trois grands euh, flux, de trois grands courants de, de, des sciences humaines et sociales. Tout d'abord, la sémiotique, en haut à gauche. Car la, car la sémiotique s'intéresse à la signification à travers les langages, et ce sont les pères fondateurs, Saussure, Yemsleff, Jacobson, Baviniste notamment, à travers l'anthropologie, car, car les langages sont, les sont des manifestations culturelles qui prennent en charge les réalités culturelles. Et les réalités socio-culturelles, les manières d'être, les manières de faire, les manières de manger, les manières de boire, les manières de croire, les manières euh, de diriger les sociétés, les manières de se disputer, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui relève de l'anthropologie et les manières de fabriquer des mythes, les manières de se raconter des histoires. Et, 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 et évidemment, nous avons l'ascendance de Marcel Mauss tout d'abord. Euh, de Georges Dumézil et de Claude Lévi-Strauss, élèves de Marcel Mauss, euh, qui sont les grands, je dirais, aujourd'hui euh, illustrés par les travaux de Descola ou de Bruno Latour. Bref, ça, c'est le secteur anthropologique. Linguistique, anthropologie, mais euh, une troisième grande source euh, qui forme presque le sous-bassement euh, de, de la sémiotique, c'est la source phénoménologique qui pose, pour dire les choses très très simples, que réside d'abord dans l'expérience sensible, c'est-à-dire dans l'expérience de la perception. Euh, un petit livre du philosophe Merleau-Ponty, euh, on pourrait dire successeur de Husserl en France et qui a une grande grande importance dans notre histoire philosophique récente. Euh, un petit livre, le premier petit livre. De, le premier livre de Maurice Merleau-Ponty s'intitule La perception à la base de l'expérience philosophique. L'écran de la perception à la base de toute possible expérience et conceptualisation philosophique. Donc, on dit souvent que la sémiotique, dans les années... 1990-2000 a connu un tournant phénoménologique lorsque elle a re renouvelé l'importance de la leçon phénoménologique à l'intérieur de l'analyse de la signification sensible. Donc voilà, ça c'est le paysage global. Et maintenant, je pour, pour, pour être aussi simple que possible et, et, et résumer en, en cinq euh, ligne les grandes modélisations de la sémiotique, je dirais premièrement le sens se structure. Ce sont les catégories dont la forme la plus célèbre en sémiotique est le carré sémiotique de Grémas, mais dont, euh, dont aujourd'hui euh, la sémiotique tensive permet de dynamiser, au fond, euh, les relations fondamentales. Deuxième niveau, je dirais, le sens se construit. C'est-à-dire que les, les catégories ne sont pas seulement euh, des paradigmes, euh, ce sont aussi des, des, des modèles syntagmatiques. Le sens se construit de manière dynamique par ses enchaînements. Ce sont les schémas, ce qu'on appelle le schéma narratif, ce qu'on appelle le schéma passionnel, ce qu'on appelle le schéma esthésique, ce qu'on appelle ce qu et, et, et je dirais que la recherche est, 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 est souvent encore aujourd'hui une recherche centrée sur les schémas. Troisième niveau, troisième, c'est pas des niveaux, je dirais troisième, troisième grande entrée dans la modélisation sémiotique. Le sens se raconte. Grande hypothèse fondamentale de la sémiotique grématienne, c'est que bien au-delà des récits euh, concrets, euh, depuis les mythes euh, jusqu'aux nouvelles, en passant par les romans, les contes, les pièces de théâtre, etc., bien au-delà des genres narratifs qui forment l'objet de la narratologie, l'hypothèse sémiotique, c'est que le sens se raconte et on nomme euh, ce phénomène la narrativité. La narrativité, ce sont les modèles qui permettent de comprendre que derrière le moindre mot, euh, même isolé, le moindre titre, euh, euh, le, il y a un potentiel de structure narrative, euh, de structure actentielle, euh, de structure modale euh, qui permettent de comprendre ce que signifie ce mot dans le contexte du discours. Trois, quatrième entrée, peut-être plus récente dans la sémiotique, en tout cas post-grématienne, le sens s'exprime. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signification sans sujet, même pas de sens, sans sujet sensible et sans sujet avant tout énonciateur. Et donc, euh, la parole individuelle dans l'énonciation, le je, mais aussi adossée euh, à l'impersonnel de l'énonciation, la praxis énonciative de la communauté linguistique, culturelle, euh, forme l'espace de l'énonciation. Et enfin, le sens s'éprouve physiquement, corporellement, c'est la dimension sensible, avec euh, les, deux, euh, les deux versants du mot sensible en français, d'un côté le versant perceptif, qui indique le, ce qu'on appelle le monde sensible, c'est-à-dire le monde perçu et compris à travers nos sens, le bruit, euh, euh, la couleur, euh, l'odeur, euh, euh, le toucher, euh, et l'autre versant, l'impact que ce monde sensible produit sur le sujet et qui définit au fond l'univers des passions, l'univers des affects. L'univers des émotions, l'univers des, des parcours émotionnels et la façon surtout dont les cultures codifient les passions et, et, et leur donnent un, un certain ordre enfin, et les mettent dans un certain univers de valeurs. Euh, C'est le vaste champ de la sémiotique des passions. Donc voilà, le sens se structure, le sens se construit, le sens se raconte, le sens s'exprime, le sens s'éprouve. Voilà le, euh, ces, ces grandes entrées de la sémiotique euh, à travers euh, qui s'exercent à travers le, le monde empirique, la mise en œuvre, ce que j'ai mis entre en bas, euh, c'est-à-dire ces, ces développements à travers différents objets, qu'il s'agisse d'espaces urbains, comme on va le voir, euh, d'images, de, euh, de textes littéraires, de textes philosophiques, qu'il s'agisse de publicité et de communication d'entreprise, qu'il s'agisse de discours politique et médiatique, qu'il s'agisse de psychothérapie, d'art plastique, d'architecture, tous, tous les domaines de la signification culturelle, évidemment, forment l'objet de la sémiotique. Voilà pour ce tableau. Je suis désolé si ça a été un peu long, mais vous allez me dire si ça vous paraît clair. C'était très bien, monsieur. Si vous voulez, permettez-moi, je peux parler avec quelques mots. l'histoire de, de la sémiotique e, burada, an, Antürk par, pardon. E, burada bizim de Türkiye'deki birçok gösterge bilim kitabında yer alan temel olarak 1912, 1900, 2012 yılında Greimas'ın doğumunun 100. yılında çok büyük bir kongre yapılmış ve orada işte Greimas gösterge biliminin temeli e, tamam olarak belirtilmiş. Buradaki yapılan şeyler bizim Türkiye'deki bütün gösterge bilim kitaplarında neredeyse benim kitapların çoğunda bulabileceğiniz bir şey. İşte gösterge bilimle ilgili olarak temel olarak bir tarafta dil bilim var, bir tarafta antropoloji var, kültürel antropoloji var, bir tarafta fenomenoloji, epistem, bilgi kuramı var. İşte e, dil bilimde sosyo Misler, Roman Jakobson, Emil Ben görebilirsiniz. E, kültürel antropolojide Marcel Mauss, George Dumézil, Claude Lévi-Strauss, Vladimir Propp ismini görebilirsiniz. E, fenomenolojide Edmond Husserl, Merleau-Ponty, Ernest Cassirer, Carnap, Tarski gibi isimleri görebilirsiniz burada şeylerde ve bunun arkasında da işte e, anlamların e, yapı olarak çözümlenmesini e, buradaki anlamların bir yapısal olarak e, anlam yapısallaşıyor diye bir başlıkla e, açıkladığı şey e, bizim de çok iyi bildiğimiz ee, geçenlerdeki kongremizde çok sıklıkla ortaya konulan gösterge sel dörtgen buradaki temel ilişkiler e, ele alınıyor. Anlam kuruluyor da şemalar ortaya konuluyor. İşte e, anlatısal şemalar, işte eğleyen şeması gibi tutku ile ilgili tutku göstergeminde kullanılan şemalar, estetik şemalar var. Onlar şey yapıyor. Anlam anlatılıyor. Anlatısallık yine burada anlatı gösterge bilme. Anlatısal çizgide eyleyenler anlamın genel düzenlenişinin yayılması, kaplam işlem gibi kavramlar burada söz konusu. Anlam açıklanıyor da sözceleme kuramı eee ben, beri bilinen Emil Benveniste'den beri bilinen sözceleme kuramı işte bireyin e, öznel olarak kendi değer yargıları içerisinde eylemi ele alması ve pras, burada bilinçli eylem dediğimiz praksis söz etti. Ve anlam sınanıyor da da duyarlılık, tutku gösterge burada. Doğal dünyanın gösterge bilimi, dilsel alınmama gibi alanlar. Bunlar nerelerde kullanılıyor? Bunlar gösterge değişik alanlarda kullanılıyor. İşte eğitimde, çözümlemede, edebiyat kuramında, reklamda, halk ilişkilerde, siyasal söylemlerde, basın ya da e, basın söylemlerinde, psikoterapide, e, güzel sanatlarda, mimaride, bu alanlarda bu grey gösterge bilimi, verileri kullanılarak çözümlemeler yapılabiliyor. Burada da ben birazcık da e, şey bildiğimiz için söyleyelim. Temel olarak neyin peşindeyiz? Burada anlamlamanın peşindeyiz. Anlam nasıl oluşur? İşte mimari yapıda ya da başka yapıda nasıl oluşur? Eksiz amel ve kontinüye. Merci beaucoup. Alors on peut passer. Voilà. Jusqu'ici nous avons juste fait une sorte de euh, synthèse Sur, euh, sur, le, sur la définition de la sémiotique, très rapidement. Euh, maintenant, on, on entre dans le deuxième point de notre rencontre, que j'ai intitulé La prise entre surprise et emprise. Alors, je commencerai par deux images fortes de grimace euh, dans son discours, euh, notamment dans, dans un texte que je trouve tout à fait admirable qui est l'introduction au livre intitulé du sens. Dans son introduction au livre intitulé du sens, il s'interroge sur ce que c'est le sens. Il a beaucoup de mal à répondre à cette question et il emploie deux images. Il dit qu'à travers le langage, ou les langages, le sens, c'est à la fois un écran de fumée et en même temps l'exigence de mordre sur le réel. Écran de fumée et morsure sur le réel. Je trouve ça formidable. Pourquoi Parce que ça condense en fait les deux grands versants de l'activité sémiotique. L'écran de fumée, c'est que le sens, et plus précisément la signification organisée par les langages, euh, se situe entre le monde et nous. Comme une sorte d'écran, une sorte de filtre, une sorte de toile d'araignée à travers lequel nous saisissons le sens. Et nous le saisissons, suivant l'héritage structural, nous le saisissons par des différences. Ce sont des différences, depuis les différences phonématiques jusqu'aux différences, je dirais même, aux différences euh, euh, sémantiques, aux différences. Euh, euh, syntaxique aux différences culturelles même hein, le sens est saisi par différence c'est la relation entre A et B qui fait exister A et B réciproquement donc, donc on est euh, ce que je trouve très très intéressant si vous voulez là dedans c'est que le sens est en quelque sorte saisi en suspension il est en suspens et il est mobile il est mouvant il se déplace, il se transforme. C'est pourquoi le mot transformation est, il, il est en transformation continue, le sens. D'ailleurs, l'évolution des langues atteste cette transformation. La suite des événements dans la vie des pays, dans la vie des familles, dans la vie du monde, montre que le sens, c'est le changement, c'est la transformation. C'est la conclusion de l'introduction du texte de grimace à du sens. Hein, euh, euh, saisir le sens, c'est saisir la transformation, c'est-à-dire le foyer dynamique de la signification. Mais c'est aussi reconnaître que euh, euh, le monde de la signification, comme écran de fumée, c'est le monde du paraître. Nous ne touchons jamais la, le cœur des choses mêmes, nous n'en touchons que l'habillage que les mots, les énoncés, les formes plastiques nous, nous en donnent à voir. Et je dirais même que notre perception du monde réel comme signification transite par ce qu'on appelle les simulacres, c'est-à-dire les images que nous nous donnons. Qu'est-ce que c'est que trouver un paysage beau un paysage n'est ni beau ni laid. Un paysage, c'est un paysage. La terre, la nature, un arbre, tout ça, une fleur, c'est ce que c'est. Euh, mais dès que nous décrétons qu'un paysage est beau, nous projetons sur ce paysage le simulacre qui détermine notre appréciation. Et par là, nous, nous en arrivons à mordre sur le réel. La morsure sur le réel... Ce sont les interactions effectives, les actions sur le monde, les actions sur autrui, les relations entre intersubjectives comme interobjectives qui, qui sont effectives, qui font qu'on a le sentiment d'agir euh, effectivement. Et, et, le, et les formes de cette morsure sur le réel pour euh, la sémiotique passent par le, le, ce que Remas appelait le polémico-contractuel sous-jacent à l'action. Ce qui, euh, ce qui passe par le faire croire, euh, le faire faire, euh, l'action et la sanction, c'est-à-dire la reconnaissance de l'action, c'est-à-dire toute la schématisation narrative. Et en même temps, et c'est une des questions qu'on se pose aujourd'hui beaucoup plus fortement, euh, notamment euh, à travers les réflexions sur les cultural studies dans les, dans les universités, c'est que cette saisie du sens, entre écran de fumée et morsure sur le réel, pose la question aux sémioticiens, la question de l'engagement. La question de l'engagement avec ce que cela implique en termes éthiques, bien sûr, euh, la responsabilité. Et, et l'engagement peut être euh, en raison de cette conception du monde du sens comme simulacre, c'est-à-dire l'engagement contre les illusionnismes du sens. Par exemple, aujourd'hui, euh, les questions portant sur les, le complotisme, les fake news, le, la puissance euh, des likes sur les réseaux sociaux, euh, tout ceci qui, qui euh, 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 intensifie dans notre monde contemporain, euh, c'est pas nouveau en soi, mais ça intensifie sans doute ce qu'on peut appeler l'illusionnisme du sens. Voilà donc écran de fumée. Morsure sur le réel. Vous êtes là? Oh oui, je suis là. Oui, je suis toujours là. <laughs> Est-ce que c'est -ce est clair? C'est clair, voilà. Euh, heureusement, j'y étais là avec vous à Paris, à cette année-là. Je suis très heureuse oui. euh, d'être là-bas. E, ...Greymas'ın... E, ...burada arkadaşlar... ...Greymas'ın iki güçlü imgesi var... E, ...Dussens... ...Anlam kitabını yazarken... ...Greymas orada anlam nedir sorusuna... ...cevap verirken... ...iki tane e, imge oluşturuyor... E, ...metafor oluşturuyor... ...bunlardan bir tanesi sis perdesi... ...diğeri de gerçeğin ısırılması... ...yani gerçeğe bir ısırık... ...kondurulması gibi bir metafor var... ...ve... Anlam diller aracılığıyla yeri geldiğinde sis perdesi yeri geldiğinde gerçeğin ısırılmasıdır diyor Greimas E, Sis perdesinden kasıt burada farklılıkta anlam. Sosürün dediği gibi anlam farklılıklarla ve farklılık içerisinde oluşur. Yapısalcılığı e, tarif etmektedir. Dönüşüm dinamik odak benzeşiler yani simülatörler e, söz konusudur burada. Neden? Çünkü e, e, Dönü Bertrand'ın verdiği örnek üzerinden gidecek olursak eğer e, doğa e, ya biz güzel ya da çirkin diyorsak bu bizim tamamen alımlamamızla ilgili bir şey. Biz orada benzeşiler yaratıyoruz. Dolayısıyla orada doğanın e, bir oluş hali var ve bizim e, ona güzel ya da çirkin dememiz onun o olma halini değiştirmeyecektir. Sadece bizim alımlamamıza göre biz orada benzeşiler yaratıyoruz diyor. Gerçeğin ısırılmasında ise e, burada etkili etkileşimler söz konusu, dünya üzerine eylemler, öteki üzerine eylemler, eylemin altındaki karşı eğilitsel çatışma ya da tam tersi çatışmalı ka karşı eğilitsellik söz konusu. E, tıpkı işte maneratif olduğu gibi e, eğilitsel çatışmalar, e, Anlatısal çizgideki e, aşamaları biliyoruz. Eğletim, sinema, yaptırım bu anlatısallığı ortaya koyarken. E, yine burada bir güdüm var. Burada da anlam, yanılma, yanılsamacılıklarına karşı e, bir güdüm söz konusu. Teşekkür ediyorum. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. D'accord. Ça va, merci. C'est assez. Ça va. On, on ne va pas très vite. mais Mais je crois que c'est important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rythme Est-ce que ce n'est pas important, oui, bien sûr, de... Ça va, ça va, va c'est très bien. Vous avez le temps, mais ça, mais c'est pour ce soir. Ah, mais moi, oui, oui, j'ai le temps, oui, oui, j'ai le temps. D'accord, d'accord. Euh, c'est pour, pour vous. Alors, euh, voilà, euh, si je pose cette base, au fond, entre écran de fumée et prise euh, et morsure sur le réel, euh, euh, c'est que je dirais que c'est ça la prise. Entre l'écran de fumée. Et la morsure sur le réel se trouve la prise. Et donc notre question devient comment le sens prend Comment tous ces petits morceaux éparpillés de signification, comment ça se coagule Comment ça prend Lorsque euh, je faisais des, des cours à des étudiants à euh, l'université pour leur, pour, euh, leur dire euh, l'objectif, de la sébiotique, je disais que l'objectif de la sébiotique, c'est chercher à comprendre et à expliquer comment on comprend et comment on se comprend. Euh, oui, à la fois transitivité et réflexivité. Comprendre et expliquer comment on comprend la signification et comment on se comprend entre nous et je dirais entre soi, à l'intérieur de soi-même. Est-ce qu'on se comprend bien soi-même toutes, toutes ces réflexions portent sur cette dimension de réflexivité. Au fond, vous voyez bien que comprendre, c'est prendre ensemble. Donc dans comprendre, il y a la prise. Et je dirais que mon, mon centre d'intérêt, c'est bien de savoir comment ce sens prend. Comme on dit que le plâtre, qui est liquide, prend lorsqu'il se durcit, ou comme on dit que la mayonnaise, euh, la mayonnaise qui est, un, qui est un, 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 une sauce typiquement française, euh, mais je suppose que ça existe bien sûr, euh, qui mélange, qui consiste à mélanger de, du jaune d'œuf avec de l'huile. Et de, et de la moutarde, euh, comment euh, ces trois ingrédients étrangers, relativement étrangers les uns aux autres, quand on les bat et quand on les mélange, ils se coagulent et on dit la mayonnaise prend. Hein? Euh, eh bien, je dirais que ce qui euh, assure, à travers la langue, la prise du sens, eh bien, ça nous fait remonter à la, une des découvertes fondamentales de Ferdinand de Saussure, à savoir l'organisation euh, paradigmatique et l'organisation syntagmatique des langages. Euh, la, le paradigmatique et le syntagmatique. Le paradigmatique qui classifie, qui, qui, sé qui sélectionne des, des traits, qui les ordonne en classe, qui, qui structure des taxinomies, des hiérarchies et des, et des organisations. Et le syntagmatique je dis, ben, qui met en musique tout cela. Qui l'ordonne, qui, qui, qui l'oriente le, le, vers un télos, vers un but, comme le schéma narratif, comme un, un récit va vers la punition des méchants et la récompense des bons. C'est de du syntagmatique. On peut dire que, euh, euh, vu plus techniquement, la, la syntaxe modale et narrative de la sémiotique est, est un des modèles essentiels de cette relation entre le paradigmatique, par exemple la, les classes actentielles, et le syntagmatique, c'est-à-dire les programmes transformateurs, que sont les programmes narratifs. Donc voilà, voilà le, la manière dont, euh, à mon sens, le sens prend. Et pour vous dire, récemment, je me suis intéressé à, à cette notion de prise, parce que je trouve qu'elle est centrale. Et je me suis aperçu que finalement, la plupart des sémioticiens dont l'œuvre est influente dans le champ de la sémiotique ont défini, d'une manière à chaque fois différente, mais à mon avis convergente, ce phénomène de la prise du sens. Et c'est ainsi, par exemple, que chez Grémas, la prise du sens se trouve d'abord dans le tissu des relations entre les éléments. Je n'ai pas le temps de vous donner un exemple, mais j'avais avais un, un, un exemple très intéressant dans le mot passant de Grémas, mais euh, on n'a pas le temps. Mais c'est-à-dire que euh, Grémas, au fond, s'étonne que deux énoncés qui se suivent et qui sont euh, paratactiques, c'est-à-dire qu'il qu n'y a pas de lien syntaxique qui assure la liaison entre ces deux énoncés, il s'étonne que ces deux énoncés sont cependant compris. De façon unifiée, spontanément, et il se pose la question, mais il me dit :« Mais comment ça se fait que deux énoncés qui n'ont apparemment rien à voir l'un avec l'autre se coagulent comme, comme le jaune d'œuf et, et le, 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 la moutarde et l'huile dans la mayonnaise et forment un, un, une signification unique ?» Donc, euh, Grémas, je dirais, approfondit et, et le, son livre merveilleux. Euh, L'analyse d'une nouvelle de Maupassant en est, à mon avis, une illustration extraordinaire. Il, il montre comment, dans un récit, une nouvelle d'un grand écrivain, le sens prend et à quel niveau il prend. Coquet, lui, envisage la prise du sens à travers deux, deux concepts qu'il appelle le, la fusis et le logos. La, la fusis, c'est la prise du sens par le sensible, par le corps sensible. Le corps qui perçoit le, 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 le lisse et le rugueux, qui perçoit le chaud et le froid, qui perçoit l'agréable et le désagréable. Le corps qui est immergé dans la signification par sa perception et qui reprend cette, euh, cette perception, cette première signification somatique, qui la reprend par le logos. Le logos, c'est-à-dire le langage articulé, qui est la reprise selon Jean-Claude Coquet, d'une prise initiale qui est celle de la fusis. Un troisième grand sémioticien, Jean-François Bordron, enfin parmi les sémioticiens français que, que je cite, il y a, il y a bien d'autres grands sémioticiens, et français et non français, mais Bordron, lui, s'interroge aussi beaucoup sur ce phénomène de la prise, mais qu'il... Qu'il analyse à travers la sémiose perceptive, c'est-à-dire l'événement de fabrication du sens. C'est-à-dire qu'il reprend les trois termes de, euh, de la sémiotique persienne, indice, icône, symbole, mais il les prend dans un sens particulier. Il dit que la sémiose perceptive qui assure la prise progressive du sens passe par une première étape, qui est l'étape indicielle. L'étape indicielle, c'est il y a quelque chose qui fait sens quelque part, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Mais il y a dans, un, dans la confusion du monde perceptif, euh, voilà qu'il y a euh, quelque chose qui se sélectionne, quelque chose qui apparaît, une couleur qui, fab... qui, qui jaillit par un contraste, une forme qui s'esquisse. Cet indice se consolide à travers la deuxième étape qui est l'icône. L'icône, c'est quand cette chose que je perçois ressemble à quelque chose. Mais cette ligne, euh, cette ligne euh, 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 avec des des orthogonales, mais n'est-ce que ce ne serait pas une chaise par exemple Parce que ça ressemble à quelque chose qui est déjà identifié dans ma perception. Et enfin, cette icône qui me donne à percevoir quelque chose qui fait sens par analogie. Avec d'autres perceptions, se codifie dans mon espace culturel au troisième moment qui, Jean-François Abadon, le moment symbolique où cette chose que je perçois, cette icône, euh, devient par le symbole signifiante en raison des règles de lecture qui lui sont appliquées. Je veux dire que cette chose que j'avais perçue avec une ligne verticale et des lignes horizontales a pris la forme de chaise et cette chaise elle peut être une chaise de salon elle peut être une chaise de bureau elle peut être une chaise de torture elle peut être une chaise de elle peut recevoir par les affectations symboliques qui lui sont appliquées sa signification ultime donc voilà le, la jeunesse de la prise dans la pensée de Jean-François Bordron. Et dans, enfin, dans la, la sémiotique d'Éric Landowski, que beaucoup parmi vous, je crois, connaissent, euh, il s'est beaucoup intéressé aussi à la prise, mais dans, un, dans une autre perspective, dans la perspective des interactions. Et il aborde le phénomène de la prise à partir de sa syntaxe la syntaxe avoir prise. Quelque chose euh, qui a prise, ou quelqu'un qui a prise sur un autre. Et l'autre, c'est celui qui accepte de donner prise. Euh, entre avoir prise et donner prise, pour Eric Landowski, se trouve le foyer de ce qu'il appelle les interactions. Et, et la sémiotique des interactions dont il a développé les modèles euh, euh, se situe en quelque sorte autour de la prise entre. Euh, une instance qui offre prise qui a prise et une instance euh, qui qui prend prise qui, qui qui fait le geste de saisie et les interactions qui sont qui en résultent. voilà les, les quatre on peut passer juste peut-être à, à la slide suivante next slide, please euh, voilà. Et, et, et sur, le, voyez, sur la phrase, la, la prise du sens est successivement appréhendée dans le tissu immanent du texte. C'est la version de Grémass du texte ou de l'image, bien sûr. Hein. Dans le contact avec l'expérience du réel, c'est la version de Jean-Claude Coquet. Dans le processus de la sémiose c'est la proposition de jean françois bordron que je viens d'essayer de résumer et dans le réseau des interactions sociales c'est la proposition de landowski entre avoir prise et donner prise peut être peut être est ce que vous pouvez résumer ce que je viens de dire en turc? Oui, mais monsieur, je n'ai pas fait attention aux questions posées. Il y a quelques questions. Est-ce que vous voulez répondre maintenant, ou bien à la fin de la communication, vous, vous voulez vous voulez les répondre? Par exemple, Monsieur bien. il a posé une question que le sens ne s'extérieure t il pas? Il, comment, il demande comme cela et la réponse du de, de maroc. hasnaa ismail aloui, salut. hasnaa. oui, le sens est sérieux. il répond. Elle répond. et puis, mohamed lar, pouvez-vous nous expliquer le lien existant entre la sémiotique et la pragmatique et sur quoi se base la sémiopragmatique? C'est un peu, je crois que votre c'est un peu différent de votre communication, moi. Je ne sais pas. Vous voulez oui. répondre ou bien? Je veux. Je peux. Je, je vais pas. Je, je suis désolé, Mohamed l'art de ne pas pouvoir répondre à votre question parce que c'est un c'est un sujet de séminaire. Euh, euh, qui demanderait de grands de, euh, de, de grands développements. Euh, ce que ce que je, de, par exemple je, que je peux dire, c'est que dans les années 1970, il y a eu un numéro de la revue Actes Sémiotiques intitulé Sémiotique et pragmatique. Euh, euh, on sait que les deux grands courants. Et je, je vous renvoie à cette revue si vous avez accès aux Actes Sémiotiques. Par, euh, notamment par le site euh, des actes sémiotiques sur Internet, parce que je crois que le numéro acte sémi des actes sémiotiques, euh, la version papier sémiotique et pragmatique, il me semble me souvenir qu'elle a été euh, numérisée. Euh, C'est pour vous dire que cette question que vous posez est une question euh, ancienne, ça montre sa, sa légitimité et, et persistante. Euh, euh, il faut dire aussi que les deux grands courants sémiotiques, je veux dire la, la sémiotique structurale d'origine euh, saussurienne, disons, euh, développée aujourd'hui par le courant que, 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 que je représente, entre autres, et la sémiotique euh, persienne, euh, développée par le très grand courant anglo-saxon euh, de la sémiotique, euh, euh, repose très précisément sur cette question euh, toujours euh, euh, irrésolu, euh, des relations entre sémiotique et pragmatique. La voilà, pragma sémiotique, euh, c'est vraiment une question très très importante parce que sur, sur le plan théorique, si vous voulez, c'est justement la façon dont euh, on, on envisage euh, euh, la, euh, la saisie du réel et la part du réel à l'intérieur de des processus de signification. Euh, euh, vous voyez, euh, pour vous répondre à ça, euh, euh, on, on a créé un groupe dans la région parisienne euh, avec les doctorants des différentes universités parisiennes en sémiotique qu'on a appelé le GPS, Grand Paris Sémiotique, pour se repérer dans le monde du GPS, sens. GPS, hein, ah oui. GPS, oui, euh, GPS, Grand Paris Sémiotique. Oui, et qui, voilà… Ah ben voilà, merci de le, de le, de le, de le présenter, euh, pragmatique et sémiotique. Et, 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 et l'originalité, si vous voulez, de ce groupe de recherche et de formation doctorale que nous avons créé, et qui comprend à peu près une trentaine de doctorants, son originalité c'est d'essayer de développer le dialogue entre la sémiotique d'origine structurale grématienne et la sémiotique d'origine pragmatique persienne. Euh, euh, et, et le, le représentant euh, de la sémiotique persienne pragmatique qui se veut et qui s'affirme pragmatiste et pragmatique, euh, c'est quelqu'un que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle Bernard Darras. Euh, Bernard Darras, avec qui je travaille beaucoup, et on, on essaie de, de, de tisser des passerelles entre ces deux entre ces deux sémiotiques. Maintenant, c'est un très gros travail à faire, c'est très compliqué. Euh, en sémiotique, nous, on a, euh, vous connaissez le principe d'immanence, euh, le, le principe d'immanence qui implique qu'on qu ne saisisse les significations euh, d'abord qu'à travers le réseau relationnel, euh, et c'est le principe d'immanence qui détermine les choix analytiques que nous faisons. C'est-à-dire les plans de pertinence que nous allons dégager pour construire nos, nos analyses. Donc, oui, c'est très. Et, 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 la, et la sémiotique pragmatiste, euh, disons, fait une entrée beaucoup plus directe dans le réel. Euh, le, la sémiotique structurelle, pour moi, elle multiplie les écrans avec beaucoup de prudence euh, avant d'aborder ce qu'on appelle le réel. Alors que la sémiotique pragmatiste euh, est, est, est davantage et de façon beaucoup plus directe. Et avec de très bonnes raisons, euh, ancré dans le réel, parce que le, euh, le sens, c'est évidemment une prise sur le réel. C'est ce que j'essaie de développer. Voilà. Est-ce que, est que ça répond à votre question euh, Je ne sais pas, mais je, je ne peux pas aller plus loin parce que ce sera prendre trop de temps. Il y a quelques personnes qui, qui précisent leur admiration à vous, José Américo Bezerra Saraiva, je crois qu'il est il ou elle. Il il est de l'Amérique du Latin, je crois. Et de même, adjoint des Monsieur Bertrand, vous pouvez continuer à expliquer comme ça assez bien jusqu'à présent. D'accord. Et vous expliquant ça va. Et un des murs, merci. Mais les... Tchomak, dans le sujet parlant la pensée n'est pas une représentation. En d'autres termes, il ne relève pas d'objet et de relation. Selon Merleau-Ponty, une personne ne pense pas sans parler, le mot et euh, sans parler, le mot est la pensée. L'auditeur ne sait pas la pensée à travers les images. Oh, on continue encore dans ce cas oh. la perception est est-elle possible par le fait que le sujet parlant construit une substance dans son ensemble en l'abstrait des objets et des corrélations euh, Alors, Moi, je euh, ne je comprends vous dis, pas. Je, je, je crois que vous, vous avez compris. Moi, oui, je ne comprends pas. Euh, C'est une... Non, mais le, une, une, une une, une, une réponse que l'on peut dire c'est euh, oui il y, y a un mot il des mots comme ça que Grémas jamais beaucoup chez lui euh, qu'il qu'il euh, euh, qui qui suscitaient une grande méfiance pour lui un mot comme le mot pensée par exemple la pensée euh, euh, lui posait beaucoup de problèmes euh, des termes comme qui relevaient du champ philosophique comme ontologie euh, lui posait beaucoup de problèmes et et, et je crois qu'il a il a veillé euh, à euh, il a veillé, euh, pendant toute sa vie de chercheur, à bien distinguer l'espace euh, théorique et disciplinaire de la sémiotique de l'espace théorique et disciplinaire de la philosophie. Euh, et, et, il ne s'agit pas de, de créer des barrières, bien entendu. Et quand je parlais de phénoménologie, évidemment, euh, c'est montrer qu'il y a une porosité entre euh, les disciplines et que la phénoménologie nous apprend énormément de choses. Euh, et, et que, et nous... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut maintenir, à mon avis, mais c'est mon avis personnel, avec beaucoup de soin, l'espace disciplinaire de la sémiotique. Parce que c'est la garantie de préserver sa richesse. Si nous croyons à l'originalité à et à la spécificité de cette discipline dans son cadre de pertinence, c'est-à-dire sans prendre position forcément philosophiquement sur les ontologies, euh, sur, les, euh, euh, sur les grands objets euh, que les dont les philosophes débattent, et même je dirais sur la la pragmatique au sens philosophique du terme euh, je crois que euh, nous préservons un espace je dirais même de travail de travail de la signification comme comme le sculpteur travaille le bois vois, le matériau lui-même l'épaisseur du matériau ce matériau extraordinairement épais qui nous est donné dans son immatérialité pourtant qui Est le sens d'un texte. Si je lis un texte de, de Maupassant, comme le fait Grémas, un texte de Proust, un texte d'un écrivain traduit du turc, du russe ou, ou, ou de l'espagnol, à chaque fois, ou du portugais, à chaque fois, je suis dans l'épaisseur de la signification. Et je crois que la sémiotique a, a, a un chantier en soi tellement important pour comprendre comment on comprend le sens. Euh, eh bien, je crois que ça suffit, au fond, à, à nous satisfaire, euh, sans, sans, sans euh, tout de suite euh, intervenir euh, sur les grands espaces disciplinaires d'autres disciplines. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas dialoguer, bien entendu, que nous devons les lire, mais vous voyez, moi, moi je crois qu'il y a une fécondité de la sémiotique euh, en elle-même, à travers ce qui nous a été magnifiquement apporté par les pères fondateurs et, et j'entends pas seulement Grémas, hein, j'entends aussi tous ceux qui, qui ont travaillé pour fabriquer des, des, des ensembles conceptuels stimulant nos questionnements sur le sens. Vous Alors, voyez par merci. exemple là les quatre, oui, les, je veux dire, les quatre auteurs, voyez, là, pour, pour prendre seulement cela, mais il y en a beaucoup d'autres. Pour prendre hein, euh, Grémas, Coquet, Bordron, Landowski, ben déjà ces quatre éclairages qui nous donne beaucoup de matière à réflexion. Vous voyez Voilà. Et euh... oui. Est-ce que je est-ce qu'on peut continuer ou est-ce que vous voulez résumer Oui, oui ben, je peux résumer, que... je peux résumer, oui. Et Mais je crois qu'il y a peu de personnes qui qui ne comprennent pas le français. Euh, ee, très peu evet. de personnes. Euh, ee, mais je traduis quand même. Ee, anlam nasıl oluşuyor sorusuna cevap veriyor ve burada on comprend anlaşılıyor ile, ile on se comprend yani e, birisi bir şeyi anlamak ile e, anlaşmak kendi aralarında anlaşmak arasındaki birisi dönüşümlülük birisi de bir birisi üzerinde aktarma transitivite söz konusu. Burada değişik kişilerin yaklaşımı var anlamla ilgili olarak. Ee, bu yaklaşımlarda gördüğüm kadarıyla işte e, anlam nasıl e, anlaşılıyor bunu sorguluyor ve buradaki şeylerde farklı kişilerin anlamla ilgili Greimas'ın yaptığı bir çalışma var. Jean-Claude Jean, -Claude, Jean -Claude yaptığı çalışma işte e, anlamın e, sensibil, duygusal olarak alg, algılanabileceğini söylüyor Coquet. E, ve akıl yoluyla yeniden e, kavranılabileceğini söylüyor. Jean-François Bordron bu birazcık e, sanki Charles Sanders Pierce'e yaklaşarak bir anlam olgusunu el alıyor gibi. Çünkü endis e, ikon ve sembol pardon Türkçesiyle belirti, görüntüsel gösterge ve simge bağlamında anlamı ortaya koymaya çalışıyor. Erik Landowski ise etkileşim, karşılıklı etkileşim yoluyla anlamın ortaya konulabileceğini söylüyor. Ee, bunun dışında La Présidence daha sonra da işte metnin e, bütünlüğü içerisindeki e, metnin içkin dokusundaki a, a, anlamın burada olabileceğini farkına böyle farkına varabileceğini Jean-Claude Coquet'in gerçeğin deyimiyle temas halinde olacağını Bordron'un bağlamsal anlam sürecinde anlamın ortaya konulabileceğini Oui, vous pouvez continuer, monsieur. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, alors après, après ce tableau euh, sur les différentes versions de la prise, euh, je pourrais en faire la, la synthèse et, et, et ma propre proposition que j'appelle la dynamique de la prise et qui repose sur, enfin, sur, un, sur un, un phénomène pour moi central, c'est l'inaccessibilité de la chose même. C'est-à-dire que euh, c'est encore la figure euh, de la, la dialectique de l'écran et de la morsure euh, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire le quoi d'une chose, le, la substance de ce bois euh, qui fait la table sur laquelle euh, se, trouve, se trouve posé mon ordinateur, cette substance-là, je, je, elle n'est pas saisissable en elle-même. Et plus je m'approfondirai euh, ma quête de sa saisie, et plus son quoi, son ipséité sera probablement repoussée. Et qu'à chaque fois, je j'ai un ami qui travaille par exemple en, 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 en biologie, du développement cellulaire qui travaille sur l'hématopoïèse, c'est-à-dire euh, la fabrication du sang à partir des cellules, euh, à partir des, des cellules euh, euh, souches et, et qui, du sang de, de cordon ombilical, euh, et qui, qui essaie de comprendre comment... Se fabriquent les, les lymphocytes T, bon, c'est son objet. Et, et c'est extraordinaire, parce que plus il s'approche du réel, et d'une certaine façon, plus il faut théoriser, plus il faut construire des hypothèses, plus il faut élaborer des scénarios pour comprendre comment l'infiniment petit, en l'occurrence, infiniment approché au niveau du génome, euh, des cellules souches, eh bien, comment cette, cette, cette proximité rend toujours enfin, euh, le quoi ultime de la chose inaccessible. Donc moi, c'est un objet qui m'intéresse me, 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 beaucoup, si vous voulez, c'est que ce sont ces, ces étagements intermédiaires à travers lesquels on s'approche des choses, comme on s'approche des autres, mais sans jamais toucher leur... Euh, leur quidité, comme, on dit, comme disent les, les phénoménologues, c'est-à-dire le, le, la nature réelle de leur, de, leur, de, leur, de leur réalité ontologique, si vous voulez. Donc, ça, ça c'est un premier point qui, pour moi, pour, qui montre euh, la, le caractère essentiel de la prise du sens. Deuxième élément, c'est que euh, dans cette variation continue de la saisie, euh, le sens est soumis à ses modes d'existence cette vieille conceptualisation du virtuel, de l'actuel, du réel et du potentiel, Le virtuel, la virtualisation, l'actualisation, la potentialisation et, et, et la réalisation, ces, ces, ces modes d'existence, je crois, forment une donnée permanente de, de la signification et, et nous incite à beaucoup de prudence. Euh, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un mensonge <laughs> Par exemple, un mensonge, c'est du sens virtualisé. Qu'est-ce que c'est qu'un secret C'est aussi le, du sens euh, mais, virtualisé, mais d'une autre manière. Dans le mensonge, la virtualisation du sens passe par l'actualisation et même la réalisation d'une autre version du sens, alors que dans le secret ou dans le mystère, la virtualisation ben, reste virtuelle tant qu'il est possible de la laisser virtuelle, parce que Grémas nous disait que euh, la narrativité implique que tout secret, un jour, soit dévoilé, et donc que le virtuel devienne actualisé. Donc c'est dire qu'il euh, y a une sorte d'élasticité euh, des formes d'existence du sens. Et enfin, le troisième euh, point que je voulais euh, relier, c'est que cette idée de prise euh, est, est un mot qui est d'emblée euh, syntaxique. C'est-à-dire la prise, c'est ce qui met en relation de, deux instances l'une avec l'autre. Et d'ailleurs, le, 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 euh, en français, euh, j'ai été voir dans le dictionnaire, si vous voulez, et, et, et j'étais fasciné par le nombre d'expressions construites autour de la prise. Prise de, c'est-à-dire la, la prise de conscience, la prise de vue, la prise de risque, la prise de bec. La prise, de, etc. J'en ai une page entière. C'est dire que c'est dire que cette, cette idée de prise est véritablement au cœur, pour moi, de de, de cette dimension syntaxique qui qui fait le qui, qui assure à nos yeux la réalité du sens. Voilà pour ce point. Et et je passe, si vous voulez bien, à la Slide Monsieur, suivante. nous, nous, nous oui. avons fini une heure de, à présent. Euh, on n'a pas euh, arrivé à la moitié de, de slide. Alors, oui, ben faut, oui, je sais bien. Je alors, sais bien, Mais écoutez, écoutez, je vous propose un autre rendez-vous si vous voulez. Vous, vous continuez, vous continuez de temps en temps. Nous pouvons euh, résumer après quelques alors, slides. Je vais, je vais continuer. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Euh, je, je continue, let's, mais je vais accélérer, si vous voulez. S'il vous plaît. Continuez, monsieur. Vous pouvez uh, next, next slide. Euh, non, euh, euh, non, la slide précédente, juste un Bill, mot. next euh, slide. slide. Oui. Voilà. Euh, euh, le, oui, euh, cette dynamique de la prise, je la trouve avec trois, en trois moments. Le moment de la surprise le moment de la reprise et le moment de l'emprise. Euh, ce n'est pas que de, de, des jeux de langage, si vous voulez, c'est que la surprise, c'est le superlatif de la prise, c'est l'événement naissant, hors de tout paradigme. Je dirais que la surprise, dans son essence, c'est le syntagmatique pur, euh, qui, quelque chose qui surgit et qui m'étonne, parce que je ne peux le rattacher à rien de connu, rien d'identifié et ce qui fait que la surprise impose la présence invasive de l'objet, le sujet s'effaçant devant le pouvoir soudain de l'objet. En revanche, la reprise, la reprise, c'est la répétition, c'est la reformulation, et c'est l'appropriation. Euh, ce qu'on appelait, euh, il y a déjà longtemps, la praxis énonciative, c'est-à-dire l'énonciation de la masse parlante, l'énonciation... De, de la collectivité qui fabrique au fur et à mesure qu'elle parle la langue. Eh bien la praxis énonciative repose sur la reprise ce qu'on appelle la convocation des éléments déjà énoncés et qui engendre l'usage, l'usage avec ses euh, formules toutes faites, avec sa phraséologie, avec sa stéréotypie, avec les lieux communs, avec euh, tout ce que nous répétons à longueur de journée. Et là, c'est actentiellement, je dirais que la reprise, c'est l'affirmation du collectif, du prima du collectif sur l'individuel, sur qu'il s'agisse de la masse parlante de, de, de nos réseaux sociaux, si vous voulez, ou qu'il s'agisse du collectif savant, d'une communauté de sémioticiens. La reprise, hein, qui, qui est un des, un des grands motifs. Je veux dire, combien de chercheurs, par exemple, en sémiotique reprennent? les énoncés, les concepts, les formulations des, des pères fondateurs. Après tout, la, la, le programme narratif, c'est la reprise d'un énoncé de grimace. Si vous voulez. Enfin, troisième moment, l'emprise. Je dirais que l'emprise, c'est la sémiose dévoyée de la reprise. C'est lorsque la contagion du sens augmente et elle devient elle devient illimitée, c'est-à-dire que cette fois, le sujet se soumet à, à, à la dictée du sens venu d'un autre sujet, c'est la fascination politique ou morale, c'est l'abandon de l'assomption du sujet au profit d'un destinateur absolu, le destinateur qui fait autorité sur lui, qui l'enveloppe de ses énoncés et qui font emprise sur lui euh, depuis euh, le simple consentement, jusqu'à euh, jusqu'à l'absolu la, abandon de toute résistance euh, du sujet de la parole voilà voilà je, vous voyez ma, ma conception de la prise va parcourt ces trois ces trois grands moments de la surprise fondatrice de la reprise cons, consolidatrice et, et, et jusqu'aux dérives de l'emprise euh, que sont le fanatisme, euh, le fanatisme, l'abandon du jugement, la soumission aux ordres, en enfin, fait, etc., etc., Vous voyez où je veux en venir, Monsieur. C'est euh, une, euh, pouvons... une approche pour vous. Euh, C'est vous qui proposez. C'est prier. C'est moi qui propose. Oui, oui. Oui, C'est moi qui propose. C'est moi qui propose cette tripartition, oui. Au-dessus, prise, mais enfin, hein. a, ça, ça peut. Prise, vous, êtes, surplus, vous êtes surpris, hein ah, vous, oui. vous êtes très surpris. Oui, oui. oui. Mais, le, mais, je, mais je trouve que, que c'est vraiment... Euh, euh, c'est intéressant parce que vous voyez comment, comment on, on glisse de la reprise à l'emprise, par exemple. Voyez, moi, je, moi je, je dois vous dire, par, par exemple, il m'est arrivé de me dire tout à fait personnellement, en écrivant des articles de sémiotique, euh, est-ce que est-ce qu'à force de reprendre euh, des, des, des modèles comme ceux du schéma narratif, par exemple, ou, ou d'autres modèles, est-ce que, est que, finalement, est-ce que je m'approche de la réalité des choses, ou est-ce que je ne suis pas sous emprise? voyez, est-ce que je ne suis pas euh, manipulé par euh, un modèle théorique? Euh, voyez donc, il, il, je crois qu'il a... on doit toujours être... Euh, c'est un peu de l'éthique du chercheur, si vous voulez, être aux aguets euh, pour, pour, pour résister à l'emprise. Voilà. Euh, ça va Oui, ça va. Continuez, monsieur, continuez. Mais Je si continuer. vous voulez. Euh, Excusez-moi, monsieur Mohamed Lar, euh, de, de quel pays vous êtes, monsieur Mohamed Je crois que Maghreb est un pays. Ah, Mohamed Lar pour... Mohamed, pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de l'implication de la sémiotique dans le domaine de la didactique et de la pédagogie, notamment oh, mais dans oui, la compréhension mais... de textes mais Oui, mais moi je vais vous dire, j'ai une vraie passion de la didactique. J'ai commencé par la didactique, j'ai été professeur, euh, je trouve ce métier absolument exceptionnel. Euh, et, 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 et la sémiotique, euh, euh, ma première… Euh, euh, activité professionnelle en sémiotique était la didactique et particulièrement la didactique du français langue étrangère. J'appliquais euh, les modèles de la sémiotique à la compréhension des textes euh, à, à un niveau simple au départ et ensuite à un niveau plus élaboré, plus complexe, jusqu'à développer une théorie euh, critique, disons, jusqu'à jusqu'à considérer que la sémiotique a sa place euh, dans la euh, Théorie du texte, bien sûr, et, et, et pour en, en développer la compréhension. Donc, donc, je suis tout à fait euh, d'accord euh, pour dire, pour partager euh, ce qui est dit par M. Mohamed Lar, à savoir l'implication de la sémiotique dans le domaine de la didactique et de la pédagogie. Maintenant, maintenant, évidemment, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'enseigner de la théorie. Il faut que la sémiotique ait un pouvoir décillant que ça dessille euh, le sens. Je pourrais vous donner un exemple, si on avait le temps, mais, mais euh, un, un tout petit exemple. Voulez-vous que je vous le donne Oui, oui. Alors, euh, c'est le... Je vais vous donner l'exemple, si vous voulez... Euh, vous, si on a encore le temps, si on a, se donne encore une petite demi-heure, je pourrais euh, développer le troisième euh, temps de cet exposé, euh, la prise hier, les études sémiotiques. Euh, vous voyez, Jean-Marie Floch, c'est un grand ami qui a développé vraiment la sémiotique euh, en prise sur le social, sur les discours sociaux. Les discours des entreprises, les discours publicitaires, les discours des objets, les packagings, les, 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 les décors des, des magasins, euh, les, 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 les dessins des, euh, des villes. Euh, bref, il a vraiment développé une sémiotique en acte. Mais il ne s'est jamais servi seulement des modèles sémiotiques en les appliquant. À chaque fois qu'il qu avait, qu avait un objet d Excusez-moi, il s'intéresse à la sémiotique marketing, je crois. Mais bien Dans, sûr, euh, là, vous voyez, j'ai mis, j ai, j ai mis, mis sur, la, sur la page là, euh, je ne sais pas si vous êtes sur cette page là, euh, c'est la page suivante. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez... Can you, can you change the slide? slide de sur voilà. voilà, les voilà. boîte noire de Jean-Marie Flore. Voilà. Il a, il a, J'ai mis, mis trois livres de Jean-Marie en fait les trois livres qu'il a écrits, plus d'autres, mais enfin les trois plus importants Petite mythologie de l'œil et de l'esprit, Sous les signes, les stratégies, sémiotique, marketing et communication, et Identité visuelle. Et vous voyez que chacun de ces livres est séparé de cinq années, cinq années de travail. Le mmh. premier a été publié en 1985, le deuxième en 1990. Et le troisième en 1995, et, et, et ces cinq années de travail qui ont été cinq années de progression de son travail. Et, et, et l'originalité de la sémiotique développée par Jean-Marie floche c'est que c'est d'être à l'écoute de ses objets d'étude, non pas appliquer mécaniquement les modèles sémiotiques pour mieux comprendre ou pour mieux vendre ou pour mieux euh, faire apparaître les problèmes de cohérence dans les discours qu'il analysait, mais surtout pour être tellement à l'écoute de ces objets que ces objets pouvaient faire surgir de nouveaux modèles, de nouvelles questions de, et de nouvelles réponses à, 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 au, à ces questions. C'est ça qu'on appelait les boîtes noires, vous voyez. Et moi, je, je crois toujours qu'il euh, faut se mettre à l'écoute des objets, à l'écoute des textes, pour essayer de faire surgir. Euh, la part d'inconnu qu'ils nous invite à explorer en eux. Et si on trouve de l'inconnu dans un texte, dans un, dans un objet, dans, dans une machine, euh, dans une voiture, euh, dans une manifestation, dans, euh, dans, dans un problème écologique, si on trouve de l'inconnu, alors il peut nous inviter à fabriquer de nouveaux modèles. Et, et, et un exemple, ça a été l'étude que euh, Jean-Marie avait faite de, de Chanel, de la marque de luxe française Chanel, autour du concept de Total Look. Et il avait observé qu'il euh, y avait une sorte de, de petite crise du sens dans l'univers de Chanel. Une petite mmh. crise du sens qui faisait que, comme... On, ça donnait l'impression, intuitivement, que deux régimes de cohérence contradictoires cohabitaient. Et il a approfondi cette boîte noire. Comment deux régimes du sens contradictoires peuvent-ils cohabiter dans un seul objet et, et en plus en, 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 en donner une image très très élevée dans, dans, dans la société Eh bien, il a à ce moment-là redécouvert la théorie du théoricien de l'art allemand Heinrich Wolfflin, la théorie formelle de distinction entre le classique et le baroque et, et les grandes catégories que Wolfflin a, a développées pour distinguer l'esthétique classique et l'esthétique baroque. Et il a vu que cette cohabitation chez Chanel était, était fondée sur cette association des catégories opposable du classique et du baroque à l'intérieur de l'habit du vêtement de, du, du 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 de la chaussure de la coupe de cheveux de, euh, du, du bijou euh, etc de la broche etc et de tous ces éléments et, et du coup il a reformulé euh, la, les catégories de Wolfflin en proposant à la sémiotique un nouveau modèle c'est-à-dire que c'est ça que j'appelle la prise la prise hier, les études sémiotiques, au fond, c'est de faire surgir de l'objet lui-même une question digne de recherche, d'investigation, pour pouvoir euh, développer des modèles. Alors, euh, j'ai euh, moi-même, euh, vous pouvez passer à la slide suivante, j'ai moi-même... Euh, J'ai moi-même euh, euh, eu l'occasion de travailler euh, euh, sur un objet euh, de création tout à fait intéressant il y a de cela 20 ans. Vous vous rendez compte 20 ans. Et les cet objet, il est là sur les deux photos que je vous mets, où l'on voit le président français actuel Emmanuel Macron euh, en train de faire une conférence. Euh, devant des policiers au ministère de l'Intérieur, on voit sur l'image de gauche des policiers, euh, et au fond, derrière, vous voyez les couleurs blanc, bleu et rouge, vous voyez leur disposition, vous voyez sur la deuxième image le profil d'un personnage, et eh bien ces, ces extraits-là, passez à la slide suivante, ces images-là, ces fragments. Visuel là, ce sont des fragments de, du logo de l'État français, le profil de la Marianne et un beau morceau de sa chevelure euh, qui a formé l'identité, le logo de l'identité euh, de, 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 de ce pays, la France. Et ce logo a été créé à partir d'une étude sémiotique. J'avais eu l'honneur de, de, de réaliser en l'an 2000, et depuis il a été créé, mais en, en, en suivant assez, assez strictement le cahier des charges que j'avais dégagé de l'étude des différents identifiants de l'état français. Et, et, euh, euh, et on peut passer à, à la slide suivante. Vous voyez que ce, 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 ce logo, euh, et, et si on l'observe tel qu'on l'a vu à l'instant, il associe de l'image et du texte. Il est structuré de manière ternaire. À chacun de ses niveaux, il est d'ailleurs en trois niveaux, et on voit que euh, la structure ternaire occupe l'image le bleu, le blanc, le rouge. Elle occupe le texte l'égalité liberté, égalité, fraternité, et euh, elle se résorbe en quelque sorte dans le, dans le dernier terme République française, et, et qui, euh, qui, qui assure en quelque sorte le socle de, 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 ce, de ce ternarisme. Euh, J'avais, euh, pour arriver à suggérer, enfin, ce n'est pas, pas moi qui ai dessiné ce logo, l'étude sémiotique était une étude qui avait été commandée par l'agence de communication qui était chargée de fabriquer, qui avait, été, qui avait reçu, gagné le concours lancé par le gouvernement auprès des agences de communication publicitaire pour fabriquer l'identifiant de l'État, le logo de l'État. Et euh, 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 cette agence avait demandé, avait proposé qu'il y ait une étude sémiotique préalable pour mieux comprendre comment l'État communiquait par ses images. Et donc, j'avais comme corpus de l'étude les logos des ministères et euh, des établissements publics. J'avais les, les, toutes les icônes emblématiques de la nation et j'avais les grands énoncés verbaux. Alors, vous voyez, on peut passer à la slide suivante. Vous voyez mon corpus. Ouais, ouais. Passer à la, à la, vous voyez euh, quelques identifiants des, 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 des logos de ministères à l'époque, qui sont d'ailleurs pour l'essentiel toujours les mêmes. Vous pouvez encore passer à l'image suivante. Voilà, encore d'autres. Vous voyez, il y avait, ça c'était la première partie du corpus que j'avais à analyser, il y avait un formidable désordre. Alors, je pouvais analyser dans le détail, évidemment, chacun de ces logos, chacune de ces images, montrer qu'elles avaient une histoire différente, qu'elles qu avaient été créées à des époques et dans des contextes d'esthétique différentes. Mais j'ai procédé par une analyse, slide suivante, par une analyse synthétique. Et j'ai essayé de faire une synthèse sur les logos existants. Cet apparent désordre fait d'une hétérogénéité plastique, hétérogénéité figurative, hétérogénéité thématique, reposerait sur un principe d'ordre sous-jacent. Et j'avais pris comme base de réflexion à l'époque, j'avais pris le fameux carré des axiologies développé par Jean-Marie Floch. Euh, Jean-Marie Floch, pardon, au moyen d'un carré, carré sémiotique que vous voyez, euh, il opposait les valeurs utilitaires aux valeurs passionnelles et les, chacune de ces valeurs engendrant les valeurs non utilitaires et les valeurs non passionnelles. Les valeurs utilitaires, c'était euh, euh, les, les valeurs fonctionnelles, les valeurs passionnelles, c'était les valeurs mythiques, les valeurs non passionnelles, c'était les valeurs techniques et les valeurs non utilitaires. C'était les valeurs ludiques, les valeurs de la légèreté, les valeurs du jeu. À partir de là, pa euh, 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 slide euh, suivante, j'avais euh, montré qu'on euh, avait un modèle potentiel organisateur des identités, des identités euh, construites par les différents logos. Et on avait le discours pratique de l'action qui s'opposait au discours mythique de la nation. Cha valeur utilitaire, discours pratique de l'action. Valeur euh, euh, identitaire, discours mythique de la nation. Et, et, et ça s'opposait. Le, 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 le discours pratique de l'action s'opposait à des valeurs non, non utilitaires, non profanes. C'était le discours éthique de l'État. Et les valeurs passionnelles sacrées s'opposaient à des valeurs non identitaires, non sacrées, que j'ai appelées le discours technique de la compétence. Et j'avais quatre classes, quatre classes de, euh, de contenu, euh, des, des images désordonnées qu'on a vues tout à l'heure. Et slide suivante, following slide, j'ai vu que d'une façon tout à fait surprenante, les logos se regroupaient comme des familles, autour du discours pragmatique de l'action, avec les logos des ministères de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, autour du discours mythique de la nation, affaires étrangères, ministère de la fonction publique, ministère de l'armée, autour du discours technique de la compétence, avec le ministère de l'équipement, de l'emploi, de la sécurité routière, et au du discours éthique de l'État, avec les logos des ministères de la justice du ministère de l'Intérieur, du ministère des de, grands ministères régaliens, si vous voulez, discours éthique de l'État. Et j'avais euh, finalement un nombre euh, équivalent de logos regroupés autour de ces quatre familles euh, axiologiques euh, qui, euh, qui non seulement euh, se regroupaient comme ça, vous pouvez passer à l'image euh, slide euh, euh, suivante, euh, qui, qui euh, me montrait que l'expression plastique, le contenu figuratif, l'imaginaire narratif et temporel, et les valeurs au sens axiologique du terme se regroupaient de façon cohérente autour de ces quatre grandes familles. Et ça donnait, euh, slide suivante, ça donnait euh, que le discours pragmatique de l'action sur le plan de l'expression plastique, se présentaient comme de grandes masses, des, des, des aplats de couleurs. Sur le plan figuratif, on était dans l'iconique réaliste. Dans l'imaginaire narratif, on était dans le récit du présent. Et c'était les valeurs, l'axiologie était commandées par l'action immédiate. Le discours éthique de l'État, les images, sur le plan plastique, euh, étaient caractérisées par la géométrie, la géométrie abstraite. Un contenu figuratif stylisé, un récit atemporel et des valeurs imposées par l'équité. Le ministère de la Justice, c'est une ligne, une ligne avec une courbe dessous l'équité. Le discours mythique de la nation, c'était dans tous les cas une grande complexité graphique ou chromatique. Le contenu figuratif était allégorique. L'imaginaire narratif, c'est le récit. Glorifiant du passé et les valeurs sont imposées alors non pas par l'action, non pas par la justice, l'égalité, non mais par l'histoire et le technique, les catégories autour des valeurs de la position technique de la compétence. On avait sur le plan de l'expression plastique la symétrie des lignes, sur le plan figuratif la symbolique, sur le plan de l'imaginaire narratif le futur projeté et les valeurs imposées par la modernité. C'était tout à fait extraordinaire parce que j'étais arrivé à ce moment-là à considérer que le futur logo de l'État devrait se trouver au centre de ce carré sémiotique, c'est-à-dire puiser dans chacune de ces valeurs, de ces configurations plastiques, de ces contenus figuratifs pour créer une sorte de synthèse de ces composantes-là. C'était vraiment l'idée d'un syncrétisme. Le concept théorique qui me paraissait euh, surgir, si vous voulez, c'est celui d'un syncrétisme du plan de l'expression et du plan du contenu, euh, et d'un syncrétisme axiologique entre l'action, l'équité, l'histoire, la modernité. Mais le corpus que j'avais à analyser n'était pas euh, seulement limité à cette masse euh, de logos de ministères. Il y avait aussi, il y avait aussi les images emblématiques de la nation française. Et c'est slide following slide, please. La slide suivante, merci beaucoup. Les emblèmes visuels de la France. Et vous voyez, là, j'en ai réuni les essentiels le drapeau français, la cocarde, la statue de Marianne, euh, une autre image de Marianne, la semeuse. Euh, l'hexagone et le coq gaulois euh, voilà les quelques emblèmes et slide suivante ces emblèmes la la semeuse paraissaient... c'est qui est excusez-moi monsieur la, la semeuse c'est la, semeuse, la, se... la, se... la Marianne encore c'est celle, celle qui est sur la pièce de monnaie là vous voyez, vous voyez la pièce la pièce de monnaie c'est celle qui qui sème qui sème oui oui euh, oui, oui, je euh, sais le blé Voyez et, et, et donc, <coughs> et je me suis aperçu que ces différentes figures avaient, comme on dit en sémiotique, un contenu modal. Un contenu modal euh, avec, avec euh, disons, un déploiement narratif à partir de la modalité. Le drapeau et la cocarde ont pour modalité faire croire, faire adhérer, faire adhérer. De façon patriotique à l'identité nationale. La Marianne, sa modalité manipulatoire, factitive, c'était le faire-vouloir. Parce qu'il y avait, et faire-vouloir avec ces deux versions. La version du désir, la Marianne euh, qui, qui représente le désir amoureux, qui est dans les mairies, par exemple, euh, sous laquelle les, les, les Françaises et les Français se marient. Et, et avec l'image de, de Marie, la, la mère de Jésus, euh, Marianne, il ne faut pas l'oublier, Marianne, c'est le, le, le nom qui euh, conjugue, alors il y a tout un imaginaire religieux derrière, si vous voulez, qui conjugue à la fois le prénom de la mère de Jésus, Marie, et le prénom de la grand-mère de Jésus, Anne. Et, et, et pourquoi est-ce que on a donné euh, cet emblème féminin à la France, parce que pendant la Révolution française, au cours des guerres, de la guerre de Vendée contre les royalistes catholiques, les révolutionnaires ont embauché des jeunes femmes pour assurer la surveillance, l'espionnage. Et comme le prénom qui était le plus donné en, en, dans cette région de France aux jeunes filles était le prénom Marianne, ils ont appelé les espionnes de la république laïque française euh, contre le royalisme, ils l'ont appelé des Mariannes. Et c'est ainsi que la Marianne est devenue l'emblème du vouloir, du faire vouloir à la fois sous la forme du désir et sous la forme martiale, euh, c'est-à-dire guerrière, de la volonté. La semeuse, c'est la modalité du pouvoir, c'est la modalité de la fécondité, de la, de, de la réalisation, hein, de faire pousser euh, la nourriture pour, le, pour la collectivité. L'hexagone, c'est la modalité du savoir, c'est le faire savoir. Parce que l'hexagone, justement, dans toutes les classes en France, quand on apprend aux, aux petits français à dessiner euh, en, en géographie euh, le, le tour, la frontière de la, du pays, on dit vous dessinez un hexagone. Et vous mettez tout le pays dans un hexagone. C'est donc un imaginaire de la rationalité. Le sceau, c'est la garantie de la vérité, c'est l'authentification, mmh. c'est le faire vrai, c'est le faire être. Et le coq gaulois, qui contient l'imaginaire français de, de la vantardise, de la vanité, euh, ce, ce que, ce que l'on reproche avec raison d'ailleurs euh, à l'arrogance française, tous ces défauts épouvantables eh bien, ils sont incarnés dans le coq gaulois qui est le faire paraître. voyez. et donc, il y avait tout cela, que, formidable comme matériau pour penser, euh, le, pour penser euh, le futur logo. et ensuite, slide suivante, il y avait, following slides please, il y avait les emblèmes verbaux, les mots qui désignent, on avait l'identité géographique par le mot france. Comme on l'a sur, sur les maps mondes sur les cartes de géographie. On met France, Allemagne, Angleterre, on ne met pas l'article. Et puis on a l'identité historique, la France. La France, euh, genèse, histoire, etc. On a l'identité juridico-politique, république française. On a l'identité administrative, on a État français, service de l'État. Et on a l'identité éthique, la devise. Et ça, la, la devise liberté, égalité, fraternité. Si vous voulez, alors là, euh, vous, vous avez posé la question tout à l'heure sur la pédagogie. Je dirais que liberté, égalité, fraternité, c'est un petit objet poétique, en même temps que politique, que euh, l'on pourrait analyser dans toutes les classes d'une manière très pédagogique, en montrant comment cet, ce petit objet verbal est structuré. Tout d'abord, il a une structure ternaire, liberté, égalité, fraternité, qui est typique de, est typique de la rhétorique française. Lorsqu'on apprend à écrire aux élèves en français une dissertation, on leur dit attention, maintenez bien le rythme ternaire, ça fait partie de la rhétorique française. Ensuite, les trois mots qui constituent euh, cet, cet énoncé sont tous les trois des mots féminins la liberté, l'égalité et féminin la fraternité, mais ce sont des mots féminins qui ont une finale masculine. Et donc, ils, ils conjuguent en, entre eux les deux genres, le genre masculin et le genre féminin. On a un syncrétisme du masculin et du féminin de ces trois mots. Ensuite, sur le plan prosodique, on voit que liberté a trois syllabes, égalité a quatre syllabes, et fraternité a quatre syllabes, mais longue à cause des Géminés et des, 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 cons des, des consonantiques. Et donc, ce qui crée une gradation, on part du plus rapide, le plus court, et on va s'éloigner, euh, se déployer plus largement. Ensuite, sur le plan actentiel, la liberté, c'est un mot qui implique un seul actant, c'est la liberté de chacun. L'égalité, c'est un mot qui implique deux actants, l'égalité entre actant 1 et actant 2, sujet 1, sujet 2 et fraternité implique le collectif une actualité collective et donc on passe dans une euh, si vous voulez on passe de la liberté pour soi à l'égalité euh, la présence de l'autre et à la fraternité la, collé la collégialité du collectif. Et, et donc, il y a, il y a, là aussi, il y a un parcours, un parcours qui va être un parcours narratif. Donc, gradation prosodique, gradation actentielle, gradation narrative. On passe, on passe d'une logique de la succession, la liberté, puis ensuite l'égalité, puis ensuite la fraternité, et on passe euh, euh, à, une, à une logique de la présupposition qui fait que pour qu'on ait la fraternité, il faut qu'on ait l'égalité et pour qu'on ait l'égalité il faut qu'on ait la liberté et donc on a une logique à la fois de, de la narrative de la succession et une logique euh, logique de la présupposition et enfin je termine les valeurs but euh, liberté et égalité sont des valeurs strictement laïques mais la fraternité c'est en quelque sorte dans, dans, dans l'univers des valeurs laïques de la république française ce qui reste de l'histoire euh, religieuse du pays. Parce que la fraternité, il faut se souvenir que euh, c'est le mot employé par, dans les églises, dans toutes les églises de France mmh. à cette époque de la Révolution, à mes bien chers frères. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, je pense que euh, dans le mouvement, dans la réflexion sur euh, euh, le problème du genre et le problème de... Euh, comment on appelle ça de, de la langue inclusive, est-ce qu'on ne devrait pas dire sororité plutôt que fraternité Vous voyez, le, le problème du rapport entre le masculin et le féminin se repose ici. Donc c'est pour vous dire que je, cette analyse montre que cette devise méritait vraiment de figurer dans le... On peut passer à la slide suivante. The following slide, maybe, thank you. Le, tout cela m'amenait à la recommandation sémiotique au graphiste le logo de l'État doit dominer, sans les exclure, les identités particulières. Il doit donc intégrer l'ensemble des valeurs, pratiques, techniques, mythiques et éthiques, et en exprimer la synthèse. Il doit également combiner les emblèmes visuels et les emblèmes verbaux. Le choix devrait alors associer les trois couleurs nationales, la dimension figurative avec un privilège à la figure de Marianne, avec ses deux valeurs du désir et de la volonté, et enfin la dimension éthique avec la devise. Ça, c'était les trois recommandations, c'est très court, mais vous voyez, trois recommandations nourries par l'analyse elle-même. Et parmi les réalisations proposées, celle qui a été retenue, et moi j'ai travaillé avec les graphistes, si vous voulez, sur une table à dessin, pour réfléchir sur la forme de l'œil, sur. Vous voyez, Et on s'est aperçu, après coup, qu'il y avait une dimension créative inattendue, et je crois décisive, et qui, pour moi, explique aujourd'hui la longue durée de ce logo, sa persistance, puisque vous voyez qu'aujourd'hui. Il est euh, en très grand derrière le président Macron. Donc, vous voyez, c'est incroyable. C'est vraiment l'image du pays. Pourquoi Parce qu'il a une double composante, classique et baroque, comme l'avaient très bien repéré Wolf et Jean-Marie Floch. On peut passer à, à, la, à la slide suivante. Vous voyez la slide suivante euh, la scène suivante, c'est-ce, sont les, les, les catégories distinctives du classique et du baroque, telles que euh, wolfflin les a, euh, je, je passe pas très vite là-dessus, si vous voulez, euh, telles que wolfflin euh, les a analysées. Hein, cinq catégories. il dit, la vision classique, c'est le privilège accordé à la ligne, la ligne contour, alors que la vision baroque, c'est le privilège accordé au pictural, c'est-à-dire aux effets de masse. La vision classique présente l'image sur différents plans, alors que la vision baroque présente l'image pour créer des effets de profondeur. La, la vision classique euh, privilégie la forme fermée, euh, avec une clôture, un, une ligne tout autour, alors que la vision baroque privilégie la forme ouverte. La vision classique assure une multiplicité d'éléments très distincts les uns des autres, alors que la vision baroque fusionne la, divers, la pluralité des éléments dans l'unité d'une scène. La vision classique privilégie la clarté et la vision baroque privilégie l'obscurité. Vous voyez l'image suivante, following slide, vous voyez que le, le dessin à gauche illustre une vision classique, symétrie, contour, ligne vous voyez les, les, les lignes des, des arbres, les feuilles des arbres, premier plan, deuxième plan, troisième plan, très bien séparés, alors que l'image de droite euh, donne. Pourquoi elle nous donne l'impression du vent Elle donne l'impression du vent parce que le, la ligne n'est pas continue, la ligne contour a disparu, on a des petites masses partout, et c'est et, et notre regard qui presque génère le dessin et en même temps génère le mouvement donc, on a, on a là une, une belle illustration, si vous voulez, euh, de la distinction entre le classique et le baroque, selon les catégories de wolflin. slide suivante. regardez slide suivante. following slide. Vous voyez l'image que les créatifs de notre logo ont fait. la, la mèche de cheveux sur le fond bleu euh, est typiquement baroque. Le, comme forme, elle, elle déborde, elle est, elle est incomplète, et C'est l'unité de la mèche de, de la queue de cheval, si vous voulez, qui est, qui est, qui est créée par la, par la fusion des éléments qui le constituent. Alors que euh, l'œil lui-même, également, l'œil lui-même, c'est un assemblage de formes euh, tout à fait euh, euh, qui fait un effet de masse. On n'a pas le dessin de l'œil, on a juste euh, l'effet de l'œil par la masse sombre d'un œil. Alors que le contour du visage, le cadre rectangulaire, l'orthogonalité du regard forment des traits qui relèvent de l'esthétique classique. Le baroque est sur le fond bleu d'une couleur froide et le classique est sur le fond rouge d'une couleur chaude. Et je crois que cette complémentarité entre les éléments de la vision classique et de la vision baroque font tout l'intérêt. Artiste, esthétique, si vous voulez, de cette image, euh, sur, euh, et qui assure, à mon avis, sa pérennité aujourd'hui. Euh, Là-dessus, évidemment, liberté, égalité, fraternité, avec l'analyse euh, de cette devise telle que je l'ai faite, et le socle, le socle République française, sur la base. Voilà, voilà cette analyse, euh, vous voyez, où j'essaie je, je, de montrer comment, par la saisie des phénomènes de signification, la sémiotique, Peut avoir une certaine prise sur le réel et en tout cas faciliter la création ici d'un objet qui est devenu un emblème de, de ce pays. Je vous remercie pour l'instant. Euh, voilà. Excusez-moi, j'étais très vite. C'était bien, monsieur, parce que nous avons employé jusqu'à présent deux heures. Hein. Euh, encore, oui, donc on va arrêter euh, vous maintenant. Autres. Ah oui, euh, si vous voulez. Oui. Euh, alors il y a quelques. Je euh, vous propose. Euh... Vous, vous voulez euh, finir ici ben écoutez, ce que je vous propose, moi, euh, parce qu'il y, y, deuxi... y a, une partie suivante euh, sur les, les rapports d'images. Ensuite, il y a, il y a euh, mon image. Euh, vous pouvez faire passer les, de, de Notre-Dame de Paris. Euh, C'est une, une autre étude pour montrer comment la sémiotique a évolué dans sa relation avec les disciplines et avec l'urbanisme. Euh, euh, particulièrement parce que j'ai travaillé euh, en relation avec des documents d'urbanisme pour, pour, euh, pour étudier cette, euh, les abords. Mettez la, la following slide, please. Uh, following and, and following slide again. Ah oui, c est, c est... Voilà, uh, la, la sémiotique. Et vous, vous voyez que uh, j'ai mis uh, l'image ici. On a on a Notre-Dame de Paris. Et puis en bas à gauche, on a un tableau euh, d'un grand peintre contemporain, enfin, du XXe siècle, euh, Henri Matisse, représentant Notre-Dame de Paris. Et à droite, on a un tableau d'un peintre contemporain aussi, dont j'ai oublié le nom très très connu euh, d'origine russe, français d'origine russe, euh, qui a écrit, qui a fait aussi Notre-Dame de Paris. Euh, donc j'ai fait une étude sémiotique, si vous voulez, euh, pour euh, euh, programmer. Si vous voulez, voilà. et Mais vous pouvez, vous pouvez on... nous euh, promettre de venir encore une fois. Vous pouvez laisser ici. Parce que vous avez parlé beaucoup longtemps, alors c'est un peu euh, fatigant pour vous. Et une autre fois, vous, vous, vous pouvez parler euh, de, de Notre-Dame de Paris, si vous voulez. Euh, c voilà. Le, voilà. Le voilà. Je voilà, je suis tout à fait d'accord. Voilà, je suis tout à fait d'accord pour euh, qu'on qu 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 interrompe ici et qu'on qu fasse cette, cette séance en deux. En deux, en deux exposés, si vous êtes d'accord. D'accord. Euh, le second sera moins long. Hein. Le, le second sera moins long. Alors, euh, si vous voulez euh, une question, Songul, vous voulez lire ou moi, je, je peux lire Allez-y, allez-y. Songul Non, euh, euh, elle n'est pas là. Mais je suis là, je suis là. Oui. Je peux lire. Euh, euh, ah. Jean Demirji ah, pour une... des questions, mais euh, il oui. Ce n'est pas tout à fait euh, la question euh, ou bien le thème euh, d'aujourd'hui, mais euh, je lis euh, comme vous voulez, si vous voulez, euh, vous pouvez répondre. Mmh. Euh, ben, pose sa question. Voilà, la question que j'ai posée n'est pas directement liée à cette présentation, je le sais, mais quel est le rapport entre traductologie et sémiotique Que voudriez-vous dire, dire sur euh, ce sujet Autant que. Je euh, sache et surtout d'après vos explications, la sémiotique semble être liée à presque tous les domaines. Selon vous, du point de vue de la traductologie, comment concilier traductologie et sémiotique? Dans quelle matière peut-on bénéficier de la sémiotique en traductologie? Je crois que c'est fini la question. C'est la fin de la question. Oui, merci. C'est une, c'est une, c'est une très très belle question. Euh, merci beaucoup. Euh, je ne serai, je serais sans doute pas compétent pour pouvoir y répondre euh, très. Mais je vais, je vais, y répondre par une petite histoire, euh, si vous le voulez bien. Euh, euh, J'étais euh, récemment à faire un séminaire doctoral en, en Suisse la, la semaine il y a 15 jours, et euh, une de nos collègues euh, françaises qui s'appelle, euh, qui s'appelle. Euh, euh, Astrid, Astrid Guillaume euh, était également là, en tout cas par Zoom, euh, pour présenter au doctorant suisse euh, sa, sa conception et son histoire sémiotique. Et cette, cette, docto, cette, cette professeure de la Sorbonne, Astrid Guillaume, a créé récemment la Société française de zoosémiotique. La sémiotique du, voilà. des animaux. Oui. La zoosémiotique, sémiotique. Une société préalablement et elle fait ses cours, Elle est spécialiste de traductologie. Préalablement, elle a travaillé avec Umberto Eco euh, et avec des, des sémioticiens de Tartu, Lotman, la sémiotique de la culture. Oui, Lotman. Et préalablement et préalablement, elle était germaniste spécialiste du, du, de l'allemand du Moyen-Âge et elle travaillait sur des manuscrits euh, du 2e siècle, 10e siècle, euh, les, les premiers manuscrits du, du 11 ou 12e siècle du vieil allemand. Elle faisait de la paléographie. Et alors, qu'est-ce que... C'était très intéressant parce qu'elle nous a raconté ce qui faisait la cohérence de son itinéraire et, et, et je trouvais ça tout à fait intéressant avec au milieu la question de la traductologie, c'est-à-dire la question que vous posez. Et, et au fond, je dirais que le mot-clé pour moi, que j'ai retenu de tout cela, qui fait le lien entre la paléographie médiévale du vieil allemand, le problème de la traduction et le problème de la zoosémiotique, c'est... Le problème du silence du sens. Le problème du silence du sens. C'est-à-dire le problème de l'interprétation de ce qui n'est pas signifié ou de ce qui n'est pas compréhensible. On voit très bien comment euh, un chercheur qui se trouve, même médiéviste et même spécialiste du vieil allemand, confronté à un manuscrit euh, où il y a des trous des déchirures des absences pour euh, tous les efforts qu'il doit faire pour essayer de reconstituer les parties manquantes le silence du sens voyez comment un traducteur qui doit passer du français au turc ou du turc au français euh, euh, et puis ensuite euh, à l'allemand et, et, et au chinois et à l'espagnol comment comment fait-il pour transposer tout ce qui se tait dans la langue de départ tout ce et qui s'exprime dans la langue d'arrivée ou tout ce qui s'exprime dans la langue de départ et tout ce qui se tait dans la langue d'arrivée et donc le silence du sens est au cœur du problème du traducteur puisqu'il faut mmh. trouver les moyens de combler ce silence dans la langue de dans la langue d'arrivée ou dans la langue de départ et enfin elle est venue à s'interroger au problème des animaux, parce que l'expression animale, qui est une expression, comment peut-on la comprendre Que veut me dire ce chien Que veut me dire ce chat Qu'est-ce que c'est que le sifflement du merle Et comment le comprendre Les animaux entre eux se comprennent, et nous ne les comprenons aussi, mais partiellement. Et donc, elle a retrouvé ce problème du silence, du sens, dans, 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 cette, dans cette entreprise de sémiotique de sémiotique de la, de, 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 de l'expression animale. Et donc pour répondre à votre question, oui, je dirais que en quoi la sémiotique peut-elle apporter quelque chose à, à la traductologie Eh bien, euh, l'exemple que je donne me paraît intéressant. C'est déjà d'interroger le problème du silence du sens et d'essayer de le résoudre. D'accord. Euh, je veux partager quelque chose euh, avec vous, Monsieur. Euh, avant de vous écouter, moi aussi, j'ai euh, mon dernier livre, j'avais fait une caressémiotique en partant des logos des ministères euh, turcs, et alors euh, ministère de la santé, de, de défense nationale de l'environnement et de, de l'urbanisme et, et ministère de l'intérieur. On a fait une, une caresse similaire comme cela. Ministère de, de la Santé, c'est euh, pouvoir faire. Euh, ministère de... En partant, et bien sûr, euh, de, de logo. Ministère euh, de défense nationale, c'est euh, croire faire. Et ministère de l'Environnement et de, de l'Urbanisme, c'est paraître, faire paraître, faire vraie, paraître vrai et ministère de l'intérieur, euh, savoir faire. J'avais fait une euh, mythique en partant des logos de, de, des ministères turcs. Et maintenant aujourd'hui, j'ai entendu de, de vous, c'est intéressant. Je vous remercie. J'ai appris encore beaucoup de choses et il y a beaucoup de euh, remerciement. Ivo Carlos Lopez, une très belle analyse, précise et surprenante. Je vous remercie, nous aussi, pour, pour nous aussi. C'était très euh, bien, une analyse très bien, très détaillée. Alors, vous nous proposez de venir encore une fois seulement pour la sémiotique et, et de l'urbanisme, n'est-ce pas? Sémiotique de l'urbanisme. C'est ça, ceci. <laughs> je propose qu'on fasse une séance plus courte, dans, euh, je ne sais pas, dans le courant du mois d'octobre. Euh, si vous voulez, quoi. quand vous me direz on correspondra avec, avec on, on correspondra avec Songul Song oui, oui avec Song vous pour, et euh, pour ça euh, oui d'accord euh, si, Carlos... si, si ça oui, euh, Sylvain Comes, je ne sais pas de quel pays elle est là, très intéressante analyse, lui Henrique Pereira, Pereira c'est brésilien, je ne sais pas et hein. euh... Bravo, une excellente présentation. Merci beaucoup. Encore beaucoup de personnes. Hassan, Ismail a eu une rencontre superbe. Bravo, Agenda Merger. Merci beaucoup. Et Eva Carlos, un grand merci à Denis Bertrand pour cet exposé si éclairant. Comme à chaque fois qu'on l'écoute, on apprend énormément et on le on demande, oui. Demirgy, Sumeya, que Merci ça beaucoup pour la belle présentation. Nous aussi, nous vous remercions encore une Merci. fois, monsieur. C'était très bien. Et je crois que la, les semioticiens turcs qui parlent, qui comprennent français, euh, ont appris beaucoup de choses. J'espère. Je veux. Hein, sans Merci beaucoup. Oui, euh, moi, à mon part, j'aimerais bien poser une question très courte. Euh, pour bien saisir oui. euh, la, euh, la prise. Euh, ah, voilà. Mais, mais Nedrette, ce là elle, elle, elle vous remercie. Hein. Merci. Vous, bon donné, oui. Euh, oui. Vous, vous nous avez Bonsoir, donné Nédrette. deux métaphores, n'est-ce pas? C'était euh, le oui. tissu de fumée euh, euh, et la deuxième, la morsure du réel. Euh, pour voilà. saisir la prise entre ces deux métaphores, il nous faut, il nous faudrait, euh, si je ne euh, me trompe pas, une troisième. N'est-ce pas C'est la perception. Il faut construire une relation entre ces deux métaphores euh, normalement euh, qui n'ont qui, qui n'ont rien de relation entre les deux. Qu'est-ce que vous dites euh... Oui, oui, mais, mais, mais vous proposez une, une métaphore qui les lie, c'est ça qui les relie. Normalement, vous pensez qu'ils sont liés l'un à l'autre. Oui, moi, je, je, je dirais que, comme, 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 ce sont, comme vous dites très justement, que ce sont des métaphores qui n'ont apparemment rien à voir l'une avec l'autre, euh, mm -hmm. vous savez, euh, euh, je, 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 typiquement, c'est le, le lien entre ces deux métaphores crée une petite mythologie euh, qui, est, qui, je dirais, qui est peut-être la petite mythologie de la sémiotique. Euh, euh, si on considère que le mythe, suivant les strauss c'est un récit qui permet de rendre compatibles des termes dont on ne comprend pas le lien, euh, et, et qui permet de, de mettre une cohérence imaginaire, euh, satisfaisante pour l'esprit, entre des objets apparemment contradictoires, ou en tout cas que rien euh, ne permet de relier, euh, comme par exemple... La, la lune et le soleil, comme le cru et le cuit, comme euh, euh, la vie et la mort, comme, euh, etc., etc. Et, et donc le, 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 comment la, 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 la relation entre l'écran de fumée et la morsure sur le réel, pour moi, est euh, probablement la petite mythologie de la sémiotique. Oui, en tout cas, c'est celle que je préfère. Parce que, parce que euh, parce qu elle, elle, elle va, ça va loin derrière, et ça pose ensuite une des questions, et je, je rebondirai sur la remarque de, euh, de Doade, euh, ça pose la question de la relation euh, entre la sémiotique et la politique, entre la sémiotique et le pouvoir, entre, euh, entre donc la sémiotique et le réel, euh, sur les, et, et la sémiotique et, et, le, et, et, et les pouvoirs. C'est vraiment un point sur lequel on réfléchit beaucoup en ce moment, euh, nous, sur les, la, la, autour de. On va faire paraître un livre prochainement un, euh, sur sémiotique et engagement, euh, intitulé Sémiotique impliquée, euh, c'est-à-dire qui est euh, en prise non seulement sur le réel, mais aussi sur les rapports euh, de force qui structurent le réel. Voilà. Merci. Merci, c'est gentil. À vrai dire, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais euh, c'est trop tard. Euh, plus tard, alors, la prochaine fois, euh, je vais vous demander. D'accord. Hein, je vous remercie, monsieur. C'était très bien. Euh, Merci nous, beaucoup. Le, 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 le cercle de mieux de, de Turquie. Nous sommes bien contents de vous accueillir, de vous voir. Et, même si c'est YouTube, hein, c'est le réseau social mais nous sommes bien contents de vous voir oui aussi. merci 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 bien Écoutez, je vous remercie oui. et je remercie oui. les les personnes qui euh, qui me oui. qui mettent des petits des petits mots oui. venus oui. je vois des amis des amis de du brésil de, de russie de' que je, je salue voilà. et du maroc je, je suis de, de la surprise Je suis très heureuse que vous nous avez promis euh de revenir. Ça veut dire que on met 3. Euh c'est ce n'est pas euh infen. Euh voilà. Türkler için son <laughs> kez söyleyeyim. Eee <laughs> Monsieur Bertrand'dan bir e, şey daha aldık, randevu daha aldık. Bu sefer de Notre Dame de Paris'i bize konuşacak. Onunla ilgili bir konuşma yapacak. Bunu da tarihini eee A tout à l'heure. À, à très bientôt. À très bientôt. Voilà. La prochaine euh, euh, conférence, c'est très bientôt. Ou vous, vous demandez un peu une pause On, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui. Son Karar je vous remercie, monsieur. Voilà, tout est prêt. Si vous avez du temps, pourquoi pas Oui, oui, pourquoi ça, pas. Oui. Ça, c'est une suite, n'est-ce pas Ce n'est pas un nouveau programme. C'est la suite d'aujourd'hui. D'accord. Pourquoi pas? Vous êtes d'accord avec nous, monsieur? Non, on n'entend on, on mm -hmm. pas. Non, on n'entend pas. Voilà. Oui? Nous n'avons pas entendu. <laughs> Mais oui. c'est quoi? Écrivez, écrivez. Vous avez vu? D'accord. C'est entendu? Vous, 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 vous parlez avec son gueule, hein? Pas de problème. Ok. D'accord. D'accord. C'est entendu? À tout à l'heure. À très bientôt. Merci, Bonsoir. Mon bon Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Merci Kaan. Kaan çok teşekkür ederim. Teknik masa. Çok teşekkür ederiz. Teknisyen. Ha, teşekkür. Kaan. Sevgili TGC'liler, e, biz bu konuşmanın bir kontrandüsünü yani kısa bir e, özetini, yorumunu sizler için e, oluşturacağız. Merak etmeyin. Sizler için bir metin haline getireceğiz ve gösterge bilim, Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin sitesine koyacağız. Konu çok derinlikliydi ve uzundu ama çok da önemliydi. Bize kayıt olarak kalsın, arşivimize girsin istedik. Dolayısıyla müdahaleyi birlikte karar vererek bıraktık. Ama bu hepimiz için daha iyi oldu diye düşünüyoruz. Anlayışınız için, sabrınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ve çok ilginç bir şeydi. Türkiye galiba bu yeni yeni böyle şeylere alışıyoruz biz. Dünyanın her tarafından insanlar vardı. Çok teşekkür ederim. Je vous remercie à tous les participants du monde entier, du Brésil, du Maroc, de la Russie, de la France, etc. Je vous remercie. Devam programımızı size duyuracağız. Yine TGÇ Gösterge Bilim Çevresi e, kaynaklarından. Ee, o zaman niye üzere. biz niye duymuyormuşuz? Ajule Julien niye duymuyor kan bizi? Duyulmuyor diyor. Tamam hocam programı kapatalım. Alo. Teşekkür ederim. İyi, İyi akşamlar diliyorum. Merci Bonsoir. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sabrınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.